Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais déjà vous remercier d'être venus en nombre. Je pense qu'on va commencer parce que tout le monde a dû arriver, hein, c'est pas la peine après d'attendre davantage. Je voulais donc bien sûr vous dire que pour nous c'est quand même un honneur de pouvoir organiser cette conférence. Qui est organisé évidemment par la Chambre de commerce de Vaucluse, en partenariat avec Sainte-Catherine, l'Institut de l'Institut du Cancer. Vous avez dû vous demander pourquoi cette conférence, pourquoi on a eu envie d'organiser une conférence qui peut paraître parfois un petit peu en opposition sur les deux sujets, mais absolument pas du tout. D'abord, on a pensé à faire cette conférence parce que c'est un sujet d'actualité qui touche un grand nombre de personnes. Et parce qu'on sait aujourd'hui que nos habitudes alimentaires ont un impact sur le risque de cancer. Donc, il est intéressant de réunir justement les professionnels du corps médical et les professionnels de la restauration. Cette idée a été initiée au sein de la commission d'hôtellerie restauration de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. On a échangé avec Eric Lannoy des Laines Traiteurs, avec Patrice Mounier, qui est président de l'UMI 84, qui font partie de cette commission. Et donc, on a contacté tout naturellement le docteur Daniel Serem pour lui soumettre cette proposition. D'ailleurs, je remercie vraiment docteur Daniel Serem d'avoir répondu positivement à cette invitation, ainsi que le docteur Samy Khoury et le docteur Clémence Toulek, donc qui l'accompagne. Notre profession est également bien représentée grâce au chef Christophe Baquier qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir justement animer cette conférence. Christophe Baquier, donc chef 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, je crois qui est au davantage, ça n'existe pas. Okay, on a la chance de l'avoir dans notre département, dans le Vaucluse. Il est chez nous maintenant, à Beaulieu, franchement installé. Donc, il a répondu de manière, je dirais, spontanée, en disant, oui, moi, je suis là avec vous et c'est un grand plaisir. Donc, au nom de toute la commission, je tiens à te remercier d'être présent ce soir et, à l'école de la Chambre de commerce. Voilà. Donc, aussi, je voulais ajouter une petite chose, qu'on souhaitait que ce soit un format dynamique, donc dans ce temps d'échange, vers la fin, on viendra avec des micros pour circuler, et on voudrait vraiment que la parole circule et que vous puissiez poser des questions, profiter justement de retrouver les docteurs, les chefs, et n'hésitez pas d'alimenter le débat. C'est vraiment ce que l'on souhaite, que ce soit vraiment un échange. Hein. C'est pas pour déballer une séance, mais c'est surtout pour échanger et répondre aux interrogations. Même nous, ça nous éclaire aussi, en fait. Pas pour ma part, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre retour et vos attentes. Hein, voilà. Donc, je laisse la parole maintenant au docteur Serem pour continuer les présentations et entamer la conférence. Merci beaucoup. Merci à tous et à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être si nombreux. Je ne m'attendais pas à un tel succès sur un sujet un peu bizarre, mais très d'actualité. Merci à Xavier, mon ami Xavier. Merci à Christophe. Merci à mes collègues qui ont accepté parce que une des caractéristiques de la cancérologie, c'est d'être pluridisciplinaire. Pour faire de la cancérologie, c'est comme la médecine. Il y a différents métiers et il faut savoir les mettre en œuvre pour le bénéfice, je dirais, du patient, comme pour le bénéfice de celui qui va déguster de la bonne cuisine. Donc, nous sommes dans la pluridisciplinarité
et j'ai demandé à Clémence Toulet, qui est cancérologue, qui est spécialisée et éminemment spécialisée dans tous les cancers digestifs et ORL, de nous parler d'un sujet dans lequel elle excelle, c'est en quoi la nutrition dans le parcours de soins d'un malade, pendant et même après, a autant d'importance. Et j'ai demandé aussi à Samy Khoury, qui est médecin nutritionniste, de nous dire en quoi et comment les variations de notre bol alimentaire par rapport à celui que mangeaient nos parents, nos grands-parents, a fait apparaître des modifications qui, à la longue, se traduisent par des surrisques. Donc c'est un domaine très pointu et Samy va nous éclairer. Et ce que j'ai voulu, dans un premier temps, c'est vous expliquer ce que c'est que toutes ces considérations épidémiologiques. Comment est-ce qu'on arrive à analyser les risques de maladies, alors le cancer ce soir, parce que c'est notre spécialité, et qu'on va en parler, et essayer de me faire compte, de vous faire réfléchir et de vous donner des informations sur cette information qui est hyper inquiétante. Hein. Le nombre de cancers augmente dans le monde, et bien entendu, en France aussi. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, tout d'abord, quelques mots sur Sainte-Catherine, très court, pour vous rappeler qu'on porte dans notre titre, notre fonction, Sainte-Catherine, parce que nous sommes nés rue Sainte-Catherine, Avignon. Pour ceux qui connaissent Avignon, vous voyez le petit truc que c'est. C'était l'emplacement de l'ancien couvent des Sainte-Catherine, des Sœurs de Sainte-Catherine, où une clinique a été fondée, et puis on est un institut du cancer de Avignon-Provence, ça veut bien dire quelle est notre mission. Nous avons, je vous ai donné quelques chiffres pour vous montrer l'importance de ce qu'est Sainte-Catherine au niveau loco-régional, mais aussi national. Nous sommes un des 5 pôles d'excellence et de référence française en radiothérapie. Nous soignons, vous avez vu le nombre de cas que nous soignons, plus de 3000 nouveaux cas de cancer traités chez nous par an, plus de 24 000 patients pris en charge. Vous lisez toutes ces choses, ces informations. C'est pour vous dire notre importance, c'est puisque nous sommes dans un bassin économique, je vous montre aussi que cet institut du cancer a un recrutement qui n'est pas uniquement vauclusien, mais qui est territorial, qui est celui de la basse vallée du Rhône, entre le Gard rhodanien, le sud de l'Ardèche, le sud et la Drôme, et le nord des Bouches-du-Rhône. Voilà notre zone, je dirais, d'action sur laquelle nous apportons notre pertinence. Alors, je voulais rappeler à la Chambre, à l'école hôtelière, que vous m'aviez déjà demandé, mon cher Xavier, tu ne présidais pas l'école hôtelière, il y a 10 ans, j'étais venu devant les apprentis marmitons, je les appelle comme ça parce que pour que c'est sympa, on m'avait demandé quel était, de parler du cancer du sein et du rôle de l'activité physique et du problème du surpoids. Et donc, 10 ans après, nous revoilà en équipe cette fois-ci pour actualiser ce débat. On est prêt dans 10 ans prochains à revenir, peut-être pas moi, mais d'autres. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas un scoop. Nous sommes dans un monde qui change. Et qui change dans beaucoup de domaines. On est bien d'accord, je ne suis pas là pour parler de toutes ces transitions dans lesquelles nous sommes engagés, vous et moi, mais il y en a une qui va peut-être vous surprendre et sur laquelle je vais attirer votre regard. C'est que les inquiétudes qu'avaient nos parents ou nos grands-parents vis-à-vis des maladies qui les entouraient, qui étaient les plus fréquentes dans la société, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans, c'était pas le cancer, c'était la tuberculose. C'était la diphtérie, c'est le tétanos, c'était toutes ces maladies infectieuses qui ont pratiquement, je ne dis pas disparu, mais qui se sont effacées au profit, si on peut dire, d'autres maladies. Et nous sommes dans une transition qui est une transition épidémiologique où maintenant ce sont, comme vous le voyez, les malformations congénitales, les troubles de fertilité, les maladies métaboliques, cardiovasculaires, les cancers, les maladies inflammatoires, qui sont devenues les soucis de nos sociétés parce qu'elles sont devenues les plus fréquentes
parce que grâce au progrès de l'hygiène, de la vaccination, etc., les maladies infectieuses sont moins fréquentes. Elles restent encore pertinentes, on est bien d'accord. Et l'expérience qu'on vient de vivre avec le Covid nous a montré que ces transitions pouvaient passer par des moments plus difficiles. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette transition épidémiologique. Le monde a changé. Les inquiétudes sont plus tournées vers les maladies cardiovasculaires ou les maladies cancéreuses parce que notre environnement, aujourd'hui, n'est pas celui que respiraient ou que vivaient nos parents, ni nos arrières ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ce sont ces événements que je veux illustrer. Alors d'abord, quelques définitions essentielles pour qu'on sache bien de ce quoi dont on parle. L'alimentation, c'est quoi? Alors je suis à l'école hôtelière, excusez-moi, je vais peut-être être redondant avec ce qu'apprennent les jeunes, mais l'alimentation, c'est en fait la sélection des substances que l'on mange. C'est une action volontaire. On ne mange pas tous la même chose, et suivant qu'on soit né au nord, au sud, à l'est ou à l'est, ou dans différentes régions, on a des habitudes alimentaires. On peut être omnivore, végétarien, vegan, sans gluten, etc. Et cette alimentation, elle dépend de nos envies, de notre environnement, à la fois géographique, culturel, etc. Et manger, on est bien d'accord, c'est un plaisir. Et je parle devant des chefs, des gens qui aiment manger des bonnes choses, c'est un acte social, c'est un héritage familial. Il y a des héritages, on parlait tout à l'heure des gens qui sont gros dans la famille, c'est parce qu'ils ont un héritage de gueule, de table, un environnement familial qui les a amenés. C'est un acte conscient. La nutrition, c'est différent, et vous le verrez quand parlera Samy Khoury et Clémence. C'est ces aliments que l'on va ingérer vont nous apporter des nutriments. Et ces nutriments, les glucides, les lipides, les protéines, les oligo-éléments, tout ça constitue la nutrition qui est une véritable science et qui mérite que l'on puisse y réfléchir et apporter quelques informations. Pardon, je me suis trompé. Alors, je ne veux pas faire de vous des cancérologues, mais je veux vous donner des bases pour que vous compreniez ce que je vais raconter sur les facteurs de risque. Chaque cellule constitutive de notre corps, comme nous, chaque cellule, elle doit naître, elle doit vivre, se diviser une ou deux fois et mourir. Ça, c'est ce qui va nous arriver nous aussi. Et globalement, à l'échelon de chaque cellule, c'est la même chose. Ça naît, ça vit, ça se divise, ça meurt. Et cette mort cellulaire, elle est programmée par le logiciel qui est à l'intérieur de la cellule, qui est porté par nos chromosomes. Eh bien, c'est pourquoi et comment une cellule devient cancéreuse? Eh bien, c'est quand elle oublie de mourir. Globalement, et pour faire court, elle devient éternelle à l'échelon cellulaire. C'est-à-dire qu'elle oublie de mourir. Et pourquoi donc oublie-t-elle de mourir et de devenir proliférative et d'échapper à tous les trucs et finalement de nous envahir et de pouvoir nous détruire? Eh bien, c'est qu'il y a des bugs. Nous sommes tous confrontés dans nos usages professionnels ou familiaux à nos ordinateurs. Nous savons bien que nous pouvons avoir un très bon ordinateur, puis un jour il y a un bug et ça se met et on est malheureux, etc. Vous le connaissez comme moi, ce genre de souci. Pourquoi une cellule peut à un moment se met à ne plus avoir cette mort programmée? Parce qu'il peut y avoir des bugs lors de la division cellulaire, parce qu'elle peut avoir, même si elle est une cellule normale, des agressions qui vont l'attaquer et qui vont la modifier dans son logiciel interne. Et à ce moment-là, ces agressions, elles peuvent être physiques, comme les rayons X, comme les rayons gamma, comme les rayons cosmiques. Et le pauvre Pesquet qui a tourné autour de la Terre, c'est le Français le plus irradié qu'on puisse imaginer, hein. Parce que les rayons cosmiques, il n'y a rien pour les protéger. C'est d'ailleurs un des problèmes pour les trucs interplanétaires. Mais non, c'est pas le sujet, pardon. Donc ça peut être aussi des agressions chimiques. Et là, on va en parler tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être l'amiante, ça peut être les composants de la fumée, du tabac, c'est l'alcool, les aflatoxines, l'arsenic, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Tous ces environnements se sont modifiés avec le temps et aujourd'hui, ils sont très présent. Il peut y avoir aussi, et vous l'avez peut-être entendu en tant que moi, cette annonce qui a été faite par le président, de rendre possible pour tous les adolescents la vaccination anti-HPV. 6 000 cancers du col en France chaque année, c'est un scandale, alors qu'on pourrait en faire disparaître 85%.
et qu'il y a quand même 50% des patients qui ont un cancer du col qui en décèdent. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est hyper important. L'HPV peut modifier les cellules du col, et pas que du col chez les filles, parce que chez les garçons c'est pareil, et donner un cancer. Donc notre environnement est potentiellement source de bugs dans cette devenir de la cellule qui devrait mourir. Alors on revient à la question que je posais. Comment peut-on expliquer pourquoi il y a une augmentation des cancers dans le monde? Eh bien, ce que l'on peut dire quand on regarde les travaux qui sont produits par le Centre international de recherche contre le cancer de Lyon ou par l'OMS, c'est que le nombre des cancers dans le monde augmente de façon très forte. Vous avez des chiffres, hein, je ne veux pas vous les détailler, mais vous voyez, 2018, il y a 14 millions de nouveaux cas, et en 2012 et en 2018, il y en a 18 millions, ce qui est important. Et vous avez les fréquences chez les hommes et chez les femmes. Et globalement, on peut dire qu'actuellement, dans les pays pauvres ou intermédiaires, on va dire en voie de développement, le taux d'incidence dans ces cancers est multiplié par 2 ou par 3 dans les années qui se sont passées et qui vont venir. Donc on est face à une augmentation considérable. Et la mortalité dans ces pays est aussi malheureusement en hausse, parce que je dirais tout bêtement, l'accès aux soins n'est pas celui que l'on a en Europe ou en France. J'illustrerai toujours mon propos par rapport au cancer du sein, qui est ma spécialité, dans lequel j'ai une certaine pertinence. Les cancers, globalement, tous les cancers augmentent dans le monde, d'accord? Et le cancer du sein, c'est pareil. Vous avez des chiffres qui sont là, une augmentation très importante, et en attendant le monde, une augmentation de 70% de la fréquence des cancers du sein dans le monde entier. Et vous voyez, une fois de plus, que les survies de cette maladie que l'on guérit à 90% en France ou en Europe, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe malheureusement dans les pays en voie de développement, où l'Afrique du Sud, 40% de survie à 5 ans, 60% en Inde, 90% dans les pays développés. Donc, et je ne parle pas d'Afrique subsaharienne. Et donc, ça pose un problème, par exemple, pour le cancer du sein dans tous ces pays, c'est qu'on se demande bien pourquoi le cancer du sein devient de plus en plus fréquent, par exemple en Afrique subsaharienne ou en Asie. Eh bien, il y a probablement, et c'est là où on tire la sonnette d'alarme, il y a probablement dans les modifications des modes de vie de ces populations, des modifications, et tu en parleras tout à l'heure sur le plan nutritionnel, qui modifient l'environnement et qui peuvent entraîner des bugs dans les cellules mammaires. Quelques constats anciens qui ne sont pas que des anecdotes. Dans les années, après la Deuxième Guerre mondiale, l'incidence des cancers du sein aux États-Unis était autour de 110 femmes pour 100 000. Et au Japon, c'était à 39 000. Donc, 100 000 aux États-Unis, 39 000 au Japon. Alors, c'est intéressant, c'est dit, mais pourquoi les femmes japonaises font moins de cancers du sein que les femmes américaines? Et alors on a soulevé des hypothèses tout aussi intéressantes, mais qui n'ont pas donné de suite. Entre autres, on se disait, c'est peut-être parce qu'ils mangent beaucoup de soja. Vous vous souvenez, le soja a été une vertu pendant un temps très utilisée pour vendre des produits. Ça fait pchit, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, en 2022, l'incidence, vous la voyez, au Japon est passée de 39 à 76 000 et elle a un peu baissé aux États-Unis. C'est étonnant. Et ceci était illustré par un phénomène, les migrantes japonaises qui quittaient Tokyo pour vivre à Hawaï ou pour vivre à San Francisco ou pour vivre dans le Middle West ou à New York, voyaient progressivement, au bout de 10 ans et la génération suivante, le taux d'incidence des cancers du sein augmentait progressivement pour rejoindre celui des femmes natives des États-Unis. Donc, ce phénomène de migration s'accompagnait à l'évidence d'un changement de mode de vie. C'était la westernisation de ces modes de vie qui a été tout à fait étonnante. Et une autre, pas anecdote, mais l'île d'Okinawa. Okinawa, c'est une des îles les plus au sud du Japon, où jusque dans les années 70-80, c'était le plus grand taux de centenaires au monde.
Et les études ont porté sur ces centenaires, sur ces populations d'Okinawa, et il s'avère que c'est un climat modéré, hein, subtropical. Ces gens avaient une vie essentiellement rurale, s'alimentant de protéines essentiellement de poissons, et vivant au milieu des Asiates, ayant une vie sociale très, très, très solide. Depuis les années 70-80, et au dernier recensement 2020-2022, le nombre de centenaires okinawais a baissé de façon drastique. Et le parallèle a été fait entre le changement de mode de vie des populations de cette île, d'Okinawa, et l'implantation de McDo. MacArthur et McDo au vieux Japon. Voilà. Donc, pour vous dire que ce sont des informations au niveau épidémiologique qui sont très précises. Et il y a eu cette étude de NutriSight dont tu parleras tout à l'heure, mais qui est importante, qui est sortie en 2018 sur un nombre considérable d'êtres, hommes et femmes. À l'époque, en 2018, c'était 70 000, maintenant c'est plus important. On s'est rendu compte, sur cette étude épidémiologique, que les personnes qui déclaraient avoir recours à une agriculture biologique pour s'alimenter, c'est déclaratif, hein, il n'y avait pas de preuve absolument extraordinaire formelle, avaient une réduction globale du nombre de cancers dans ces populations. Donc, voilà des éléments épidémiologiques qui tirent l'œil et l'attention vers le rôle de l'alimentation, du mode de vie sur l'alimentation. En France, qu'en est-il? Vous avez dit qu'au niveau du monde, ça monte. Et bien, pareil, en France, lorsque j'ai commencé à m'occuper à Avignon de cancer du sein, dans les années 80, il y avait 30 000 femmes françaises avaient un cancer du sein. 2018, 60 000. 30 000, 60 000 en l'espace de 30-35 ans. Est-ce qu'il y a une épidémie? Donc voilà la courbe qui montre qu'en rouge, vous avez une montée. Par contre, c'est une bonne nouvelle, mais je ne veux pas surinterpréter. On voit que la mortalité qui est en bleu, elle monte moins vite. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont malades et de plus en plus de gens qui sont guéris. Donc, ça, c'est un message d'espoir. Donc, on a une augmentation considérable des cancers dans le monde et en France. Et dans le cancer du sein, ça a doublé en 40 ans. Comment est-ce qu'on explique cette incidence? Alors, il y a une première chose qui doit être rappelée, c'est que premièrement, la population française, elle augmente. Et ce que nous étions dans les années 80 et aujourd'hui en 2018-2020, on vient de passer les 68 millions de Français. Donc, la population augmente. Donc, si une population augmente, on trouvera plus de malades dans cette population. La deuxième constatation, et ça explique à peu près le quart de cette augmentation, de ce doublement de l'incidence des cancers. L'autre constatation que nous faisons tous, c'est que la proportion de personnes âgées dans notre population augmente. L'espérance de vie, vous avez vu ce qui a été paru récemment, l'espérance de vie pour les hommes est à 79 ans et 2 mois, et pour les femmes autour de 84,9. Et ces chiffres sont en constante augmentation. Donc, il y a de plus en plus de Français et de Françaises, il y a de plus en plus de personnes âgées, donc on a une bonne explication sur... Il y a déjà des raisons mathématiques pour que ces cancers soient plus fréquents. Et c'est là où il y a des travaux qui ont été faits par les épidémiologistes, à la fois français et de l'OMS. Alors, je rappelle ce que c'est que les épidémiologistes, parce qu'on en a beaucoup parlé avec le Covid. Les épidémiologistes, ce sont des scientifiques, des mathématiciens, généralement, qui n'ont jamais vu un malade et qui voient beaucoup de chiffres concernant les malades. Et c'est des gens importants. Parce que le médecin, il a vu les malades, mais il connaît mal les chiffres. Et quand il se fait expliquer les choses par les épidémiologistes. Donc, je voulais faire ce distinguo pour que vous compreniez bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation? L'augmentation de la population française, la population âgée. Et alors, comment est-ce qu'on connaît les causes du cancer du sein?
C'est désolant de le rappeler, mais on ne connaît pas là où les causes du cancer du sein. On ne peut pas identifier une cause, comme pour la tuberculose, c'est le bacille de Koch, pour le tétanos, c'est le bacille du tétanique, etc. En cancéro, à part de rares exceptions dont je ne parlerai pas ce soir, sur le cancer du sein, on n'a que des facteurs de risque. C'est-à-dire, le fait des facteurs majeurs, c'est d'être une femme. Sachant que le cancer du sein existe chez l'homme, mais c'est 1%. Hein. C'est l'âge. Plus une femme avance en âge, plus elle a un risque d'avoir un cancer. On le sait, c'est des choses qu'on connaît depuis des dizaines d'années. C'est le fait d'avoir une vie gynécologique longue, avec une puberté précoce, une ménopause tardive, de ne pas avoir de grossesse, ou d'avoir allaité, pas allaité ou tardivement, et puis d'avoir eu dans la famille des choses qui ont déjà tourné autour du cancer du sein. Et puis on avait isolé d'autres facteurs qui étaient un peu bizarres, mais vous savez, les épidémiologistes, ils travaillent sur des chiffres, et on avait montré que la taille pouvait être un facteur de factorisant, le niveau d'études, les femmes européennes plus que les asiatiques, je vous ai expliqué ces constats. Et puis on avait déjà pointé que l'obésité, la sédentarité, c'est-à-dire un mode de vie actuel, pouvait être un facteur de risque. Et c'est là où c'est devenu quelque chose de plus important, c'est que ces chiffres que vous avez avec l'augmentation de la population, 58 millions en 96, 68 millions en 2022, la proportion de personnes âgées, donc il reste une moitié. Sur quoi peut-on expliquer l'augmentation totale? Eh bien, c'est qu'ils sont apparus dans notre environnement des facteurs de sur-risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sur-risque? C'est quelque chose qui est innovant dans le domaine du risque et qui se rajoute à ce qu'on a avant. Si vous êtes un sportif qui a déjà l'habitude de courir et de faire de longues traversées, si en plus vous rajoutez le saut et l'élastique d'un pont, vous rajoutez un sur-risque au fait d'être sportif. On est d'accord, je vais vous le faire un peu simple, mais c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation? Eh bien, c'est le sur-risque et qui serait lié, d'après nos collègues de l'OMS ou du Centre international de recherche sur le cancer, à des éléments qu'on va couvrir du nom qui est polysémique, c'est le nom de cancer environnementaux. Alors, environnementaux, vous voyez me passer, je ne suis pas un écolo pur jus, c'est l'environnement, c'est à la fois mon comportement personnel, puis le comportement social, ce que je subis. Et à ce moment-là, et ça nous pointe déjà une information importante, c'est que ce sur-risque, s'il est lié à mon comportement ou à des phénomènes sociaux, à terme, on peut imaginer que ça pourrait être évitable par nos comportements qui pourraient changer et que nos sociétés prennent en compte un certain nombre d'éléments sur lesquels ils puissent intervenir. Alors, dans ces sur-risques, on en a un qui a été quantifié, qui a été validé et dont le meilleur exemple est Angelina Jolie. On savait que quand il y avait des familles, les cancers du sein, globalement, il y en avait plus souvent que d'autres. Eh bien, on a objectivé qu'il pouvait y avoir des modifications sur nos chromosomes, sur nos gènes, dans nos gènes, qui augmentaient, qui étaient un sur-risque de cancer du sein. Et à ce moment-là, on a pu l'identifier. Vous direz, on l'a hérité par succession dans la famille, mais Angelina Jolie a été la porteuse de ce message que, avec une ablation des deux seins et des deux ovaires, cette femme va pouvoir éviter d'avoir un sur-risque de cancer du sein de l'ovaire. Donc c'est quelque chose qui a frappé le monde parce que les médias s'en sont emparés. Voilà un exemple d'un sur-risque qui a été inventorié. Les autres, ce sont les contaminations chimiques et les perturbateurs endocriniens. Alors ces perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui est important parce que on sait qu'aujourd'hui, dans notre monde globalisé, toutes les populations y sont exposées. Et particulièrement, les personnes qui sont vulnérables vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens, ce sont les femmes enceintes, c'est le fœtus qu'elles peuvent porter, et les enfants en bas âge, voire les adolescents. Donc, vous avez la définition qui a été donnée des perturbateurs, je ne vais pas vous la lire aussi bien que moi. Ces perturbateurs endocriniens qui nous entourent, ils sont partout.
Ils sont interdits en France, on est d'accord. On a une législation qui a été très proactive dans ce domaine, mais ils sont dans les aliments, dans l'air, ils sont dans notre peau, sur notre peau, dans notre sang. Et alors, ce qu'il y a de redoutable, c'est que leur effet n'est pas proportionnel à la dose. Même des microdoses, des nanodoses, peuvent avoir un effet encore plus délétère qu'une dose importante. Ça, c'est une découverte qui a été très forte. Et ils ont aussi ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est-à-dire que le produit A n'a pas d'effet cancérogène. Le produit B n'a pas d'effet cancérogène. Eh bien, A plus B, c'est une bombe atomique. Et c'est ça l'effet cancérogène cocktail, et qui donc nous expose à des choses qui sont dans notre environnement et dont le risque peut être transgénérationnel, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai reçu et qui a perturbé mon génome me donnera peut-être une maladie, mais peut-être aussi la faire apparaître dans les générations successives. Et ceci est assez inquiétant. Je vous ai fait la liste parce qu'elle est longue et vous reconnaîtrez des produits que l'on cite souvent dans les émissions de télé, etc., ou dans les revues, qui sont les principaux perturbateurs endocriniens. Vous avez les biophénols, vous avez les dioxines, vous avez les pesticides, vous avez les composés perfluorés, il y a les phytoestrogènes, il y a les mycoestrogènes. Donc, tous ces produits qui nous entourent sont possiblement, vu leur présence et leur présence très importante dans notre environnement, un des facteurs d'agression chimique qui va perturber le fonctionnement de nos cellules. Ce qui explique pourquoi, eh ben, ça augmente par rapport à ce que vivaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'expliquer cette augmentation des cancers dans notre pays ou dans le monde? Eh bien, pour en revenir au cancer du sein que je connais bien, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été relevés comme des facteurs de risque. Alors je vous les cite sans rentrer dans les détails. Il y a le travail de nuit. Eh bien, on s'est rendu compte que chez les femmes, infirmières ou autres, qui travaillaient de nuit, le travail de nuit, on trouvait plus de, toutes choses étant égales par ailleurs, on trouvait plus de cancer du sein dans ces populations que d'autres. C'est inquiétant, hein, c'est ça pose question. Il y a aussi des hôtesses de l'air, il y avait des vols, etc. Donc, vous voyez, c'est important. Il y a les personnels de laboratoire qui peuvent inhaler, bon, c'est bien des produits qui peuvent être toxiques. Et il y a des éléments nouveaux aussi sur lesquels les chercheurs travaillent beaucoup, qui sont tous les composants de la pollution de l'air que nous respirons, non seulement l'oxyde d'azote, mais les micros, et même maintenant les nanoparticules. Ces nanoparticules dont on se demande si elles ne deviennent pas finalement des accélérateurs sur des cellules qui sont porteuses de mutations, de choses comme ça, qui ne seraient pas devenues cancérogènes, même tout au long de la vie, mais qui, avec l'arrivée de ces nanoparticules, serait susceptible d'expliquer un certain nombre de cancers, en particulier de cancer du poumon, qui n'est pas l'objet de mon détail ce soir. Pilules et cancers du sein, traitement hormonal et cancers du sein. Vous vous souvenez la polémique qu'il y a eu dans les médias il y a peu de temps, enfin, il y a 10, 15, 20 ans maintenant, sur est-ce que la pilule donne pas le cancer, hein? Eh bien, le résultat des courses après 20, 25 ans de travail, c'est que oui, la pilule augmente sensiblement, comme tout traitement hormonal fut-il après la ménopause pour pallier certains symptômes, la prise de ces œstrogènes augmente sensiblement le risque de cancer du sein. Mais pour vous donner une image, parce que sensiblement, ça ne veut rien dire. Vous prenez une Bible en papier Bible, d'accord? Même si on n'est pas croyant, on voit ce que c'est qu'une Bible, une Bible avec du papier Bible. Vous rajoutez 10 pages. C'est quantifiable, c'est mesurable. C'est 10 pages en plus. Eh bien oui, c'est 10 pages en plus par rapport à une ville qui fait une veste comme ça. Donc, c'est ça le travail des épidémiologiques, c'est d'être capable de nous pointer des choses auxquelles on ne savait pas trop répondre. Je glisse. Prothèses et cancer du sein, vous l'avez entendu, ça aussi, il n'y a pas longtemps, les médias, les prothèses donnaient cancer du sein. On sait que c'est une bêtise, et lorsque les avocats américains ont eu leurs honoraires pour défendre soi-disant les malades, et que les malades n'ont pas été indemnisés, les avocats ont été parce qu'ils avaient touché leurs honoraires. Je finis. Stress et cancer du sein. Ah, j'ai un cancer du sein parce que mon mari ou mon patron s'est mal conduit, etc. Depuis Hippocrate, on se pose la question et c'est toujours pas résolu. Donc c'est un sujet important, c'est un sujet
très inquiétant. Mais je voulais vous donner simplement deux informations comme ça que je glisse au niveau épidémiologique. Il y a deux, chez les Scandinaves, ils ont des registres du cancer extrêmement fournis depuis les années 20-30. Donc ça fait plus d'un, presque un siècle. Ils ont étudié deux populations féminines. Les femmes juives ashkénazes qui sont sorties vivantes des camps de concentration. Et ils ont comparé le risque de survenue de cancer du sein sans ces populations juives sorties vivantes des cancers du sein à des populations juives qui n'étaient pas, malheureusement, allées dans ces endroits d'origine. Pas de différence d'incidence de cancer du sein. Récente. Par contre, augmentation des cancers du poumon et des infarctus du myocarde, parce que c'était mis à boire et fumer. Fermez la parenthèse. Deuxième population, et c'est pour ça que je vous donne ces informations qui ne sont pas anecdotiques, mais qui nourrissent notre réflexion. Les couples qui ont eu le malheur de perdre un enfant de moins de 10 ans de maladie, d'accident, et ils se sont retrouvés sans enfant. Quel est le devenir des femmes de ces couples au niveau de l'incidence du cancer du sein? Ça a été étudié là aussi dans les pays scandinaves sur des cas importants et nombreux. Il n'y a pas d'augmentation d'incidence. Donc, ça voudrait dire globalement qu'il n'y a pas de cause directe, de relation directe entre stress et cancer du sein. Mais il y a d'autres travaux qui sont actuellement en cours, et nous savons, nous tous, cancérologues, que la femme soit dépressive ou optimiste, ça ne change rien au pronostic global de sa maladie, et que la maladie, que l'humeur du patient ou de la patiente n'a pas d'incidence directe sur le pronostic de la maladie. Donc c'est une question qui n'est toujours pas résolue. Activité physique. Alors je vous ai balayé tous ces facteurs de risque pour vous dire, mais et l'alimentation, et notre mode de vie. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on compare deux populations qui sont en surpoids, et le surpoids, généralement, c'est parce qu'on consomme trop, on est d'accord, le surpoids, eh bien, est un facteur de risque d'apparition de l'incidence des cancers. Ça, c'est important, et ça veut dire que la sédentarité ou l'activité physique est un élément qui permet de réduire le risque. La notion de réduire un risque, c'est quelque chose de très abstrait. Si je roule à 120 sur l'autoroute, j'ai un risque d'accident. Si je roule à 80, je réduis mon risque. N'empêche que je peux avoir un accident à 80, on est d'accord. Donc, c'est simplement un concept de réduction de risque. Eh bien, l'activité physique est un élément qui réduit ça en fonction de l'intensité, de la durée de cette activité physique. Vous avez des chiffres, je ne veux pas vous les détailler, vous pouvez les lire. Il y a une réduction, quel que soit d'ailleurs l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire que c'est indépendant de l'IMC et du statut hormonal de la patiente. Vous avez un exemple ici de réduction de la fréquence du risque de cancer du sein en fonction de l'activité physique mesurée en mètres. Alors, c'est l'unité pour mesurer l'activité physique, c'est compliqué, je veux pas. Si cette activité est inférieure à 3, le risque est à 1, ça ne change pas. Et si l'activité physique augmente, vous voyez que le risque de la réduction du risque qui passe de 1 à 0,61 ou de 1 à 0,53 en fonction de l'indice de masse corporelle. Donc, ça prouve que quelle que soit l'incidence, le poids, le fait d'avoir une activité physique a un rôle sur l'incidence des cancers. Et il y a aussi d'autres statistiques qui montrent cette incidence. Et quelles sont la part des cancers du sein attribuée à ces facteurs modifiables dont je viens de vous parler, que ce soit ceux que j'ai déjà évoqués, le traitement en aménopause, inactivité. Eh bien, vous voyez que dans cette augmentation qu'on n'expliquait pas uniquement par l'augmentation de la population et son vieillissement, eh bien, vous voyez ces éléments qui se surajoutent et qui font que finalement, le risque et l'incidence des cancers du sein augmentent, que ce soit l'obésité, le surpoids, l'alcool est un risque, est un surrisque de facteur de cancer du sein. Et quand vous voyez cette statistique, ça permet de relativiser les choses. Ici, il n'est pas question de vous plomber avec des informations qui soient dramatiques. On se dit, voilà, quels sont les facteurs de risque qui augmentent le surrisque de ces cancers. Alors, vous rendez compte que le premier, c'est le tabac. Donc, tous les messages de santé publique qui visent le tabac et l'alcool sont justifiés. Et pour ce qui est de l'alimentation,
qui est le sujet de ce soir, on se rend compte que c'est une part qui est minime, qui est raisonnable, c'est autour de 5,45%. Donc oui, notre alimentation intervient, Sabine va nous expliquer comment, mais relativement aussi, c'est une part minime par rapport aux autres facteurs environnementaux dans lesquels nous baignons. Donc, nos autorités sanitaires, l'Institut national du cancer, la Haute Autorité en santé, font des messages qui sont plus ou moins entendus, mais qui sont répétés, lutte contre l'obésité, lutte contre la sédentarité, bien entendu, sédentarité, surveillance. Et je vous remercie pour votre attention. C'est un point un peu rébarbatif pour montrer que nous vivons dans un environnement dont nous sommes à la fois responsables au niveau de la société et au niveau individuel, dans notre comportement, et qu'il y a un moyen de pouvoir peut-être diminuer cette fréquence en France et dans le monde. Et comment ? Ben, c'est là où Samy va nous expliquer en quoi les modifications de notre bol alimentaire en 2023 comporte des éléments quantitatifs et qualitatifs qui font partie de ces sur-risques. Samy, à toi. Monsieur, bonsoir. Ça va être difficile de passer après Dr Serin et de se présenter à l'exposé aussi concret, aussi perfectionné. Je remercie Dr Serin et je remercie la licence le CCI de me donner la possibilité de vous parler d'un sujet que je passionne personnellement. Parler de modifications quantitatives et qualitatives de l'alimentation, c'est... Parler de modifications quantitatives et qualitatives de l'alimentation, c'est un petit peu sortir de notre zone de confort pour nous, médecins. Et toujours à travers ce diaporama et cette recherche bibliographique, j'ai découvert beaucoup de choses qui sont importantes, hormis les pathologies qui ont été décrites, en conscience de l'impact de l'environnement. J'ai envie de parler plutôt de nutrition, d'alimentation et environnement que d'alimentation et modification qualitative et quantitative de l'alimentation. Comme vous le savez tous, je suis désolé, il faut que j'accommode. En France, comme dans la plupart des pays développés, le cancer est un accomplissement humain et socio-économique important. Ses origines sont multifactorielles, Dr Serin l'a décrit tout à l'heure, individuelles, comportementaux et environnementaux. Nous allons nous intéresser plutôt aux origines environnementaux. Si certains facteurs ne sont pas modifiables, la nutrition, par contre, est un facteur sur lequel on peut agir. C'est quelque chose de modifiable. Et ça fait partie des facteurs sur lesquels il est possible d'agir individuellement et collectivement. Alors, le constat, Dr Serin l'a cité, de nombreux facteurs de cancer du sein sont attribuables au mode de vie et à l'environnement. En France, en 2015, parmi les adultes de 30 ans et plus, l'alimentation, comme Dr Serin l'a cité, fait partie et on se situe en troisième position avec 5,4%. À ce niveau-là, donc, on se rend compte que bon, les facteurs les plus importants, c'est une altération qualitative et quantitative de l'alimentation. C'est une insuffisance d'apport en fruits, en fibres, en légumes, ou peut-être un excès de consommation de viande rouge et malheureusement la consommation des viandes transformées. On retrouve en quatrième position le surpoids et l'obésité, donc je vais passer rapidement parce que Dr Serin a bien présenté la question. Et en neuvième position, on retrouve une activité physique insuffisante. Donc, sachant que l'activité physique fait partie de la nutrition comporte l'alimentation, le statut nutritionnel et l'activité physique. Quels sont les facteurs responsables ? Environnement. J'ai envie de dire quelles sont les sources
de contaminants qu'on peut éventuellement énumérer. Je ne peux pas les énumérer sans parler de l'industrie chimique et malheureusement de l'utilisation intensive des produits dérivés, qui est une source importante de contaminants. On distingue dans cette situation entre le risque de toxicité aiguë et le risque de toxicité chronique. Nous ne sommes pas concernés par le risque de toxicité aiguë au niveau de l'alimentation. Par contre, le risque de toxicité chronique, c'est important parce que c'est une, comme l'a décrit Dr. Serin, c'est une exposition à de faibles doses de contaminants répétées dans le temps sur des périodes qui peuvent s'étaler sur une grande partie de la vie d'un individu concerné. Et parmi ces risques, le risque de toxicité chronique, le plus important, c'est le risque cancérogène. Quelles sont les voies de contamination? Rapidement, je vais passer parce que le docteur Serin les a cités. L'air, la peau. L'air par l'exposition sous forme gazeuse ou sous forme de microparticules en suspension. La peau. Une exposition cutanée en cas de manipulation des produits toxiques, sans précaution d'usage ou l'utilisation de pesticides dans les cultures par les agriculteurs. La partie qui nous intéresse le plus, c'est la voie la plus importante de contamination et la voie orale. Les contaminants peuvent être apportés par les aliments et par l'eau de boisson. Quels sont les facteurs alimentaires et biologiques responsables, je dirais, ou qui sont en liaison avec l'augmentation du risque de cancer? En effet, les facteurs alimentaires sont fréquemment récriminés dans l'étiologie de certains types de cancers. C'est ainsi qu'on rattache le risque de cancer de l'estomac et de l'œsophage à une consommation ou une teneur élevée en nitrites, en nitrates et en nitrosamines. Le risque de cancer du foie était constaté associé à une nourriture riche en arachides contaminés par des mycotoxines, pour ne pas citer l'aflatoxine B1. Comment expliquer ce phénomène ou ce processus? Donc tout simplement par, malheureusement, l'altération de l'environnement et la transition nutritionnelle. La transition nutritionnelle, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on a besoin peut-être de deux journées pour expliquer pourquoi nous sommes arrivés, malheureusement, à ce constat, je dirais peut-être des fois dramatique. La transition nutritionnelle est caractérisée par le passage des régimes traditionnels peu transformés à une consommation de produits hautement transformés. C'est caractérisé par notre régime moderne qu'on appelle Western Diet, riche en énergie et faiblement diversifié. Le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau des pays développés, mais comme l'a dit Dr. Serin, malheureusement, les pays en voie de développement n'ont pas achevé cette transition. Quel est l'impact de ces changements alimentaires sur la santé? Donc, je vous ai présenté une diapositive que j'ai récupérée sur un site qui est hyper importante, qui résume malheureusement toute notre période de transition et qui met en évidence les modifications qui nous ont affectés durant toutes ces années. Donc, à savoir l'urbanisation, la croissance économique, les changements technologiques, le travail, l'industrie, les loisirs, la transformation alimentaire et la mondialisation. Nous sommes passés d'un régime paléolithique, chasseur-cueilleur, caractérisé par la consommation de plantes, d'animaux sauvages, crus, avec un régime riche en glucides, fibres et pauvre en graisse, à un régime complètement transformé, avec une altération de la qualité nutritionnelle, avec une altération, je dirais, des propriétés organoleptiques des aliments. Nous avons aussi observé une transformation dans nos habitudes de vie. À l'époque de la période du chasseur-cueilleur, les individus étaient hyperactifs. L'activité physique n'était pas recommandée, mais était obligatoire. Nous sommes passés, malheureusement, à des sujets sédentaires qui consommant malheureusement une alimentation qui n'est pas équilibrée du tout. Qu'est-ce qu'on constate par l'altération de notre qualité nutritionnelle, nous avons observé par la suite l'émergence de maladies chroniques. Heureusement qu'actuellement, je pense au niveau de presque des pays développés, il y a une prise de conscience. Nous observons également un changement de comportement
par une prise de conscience sur la prévention des maladies chroniques. On observe depuis peu des efforts faits par la population concernant la diminution de consommation de sucre raffiné, des graisses, la diminution de consommation de boissons gazeuses, et surtout, il y a, je pense, qu'un début de sensibilisation à la consommation de l'alimentation ultra transformée. Quel est l'impact de ces changements alimentaires sur la santé? Nous avons une étude hyper importante, je vous invite à consulter sur le net l'étude de Nutrinet Santé, effectivement qui concerne une population générale, sélectionnée sur une cohorte évaluée à peu près à 2 280 000 sujets sains. Ça concerne des questionnaires sur des données sociodémographiques, anthropométriques, sur une évaluation de l'activité physique et sur l'enregistrement alimentaire, une enquête alimentaire sur 24 heures faite de façon automatisée. Ces données sont réactualisées 6 mois avec un suivi de la consommation alimentaire et de l'état de santé. Le but, c'est de faire émerger cette notion de risque de cancer. Le résultat, malheureusement, il existe un risque accru de cancer global. On observe une augmentation de 10% de la part de l'alimentation ou des aliments transformés dans un régime de l'individu associé à une augmentation significative de plus de 12% du risque du cancer. Augmentation de 10% de l'alimentation transformée, augmentation de plus de 12% du risque global de cancer. Et on a constaté par la même occasion une augmentation de plus de 11% du cancer du sein. Alors on s'est dit peut-être que les chiffres, bon, il fallait les revoir. Et ces chiffres ont été confirmés parce que cette association a été maintenue après ajustement sur un profil alimentaire qu'on connaît, le Western Diet, et sur certains nutriments délétères. Donc voilà, le constat malheureusement est inquiétant. L'altération de la qualité nutritionnelle. Donc, on ne peut pas parler de l'altération de la qualité nutritionnelle sans malheureusement parler de l'alimentation ultra transformée. J'ai récupéré une diapositive d'André Chardet présentée en 2017 lors d'un congrès à Montpellier où il a très bien présenté ce que c'est l'alimentation ultra transformée. Ce sont ni plus ni moins que des formulations industrielles réalisées à partir de nombreux ingrédients additifs. Au niveau des ingrédients, nous allons le voir par la suite, donc on retrouve le sucre, le sel, les huiles, les autres matières grasses, les antioxydants, les stabilisants, les conservateurs, etc., etc. Ces aliments très transformés sont caractérisés dans leur transformation par l'ajout d'ingrédients, d'additifs cosmétiques à usage principalement industriel pour imiter, exacerber ou restaurer les propriétés sensorielles. Vous avez un schéma qui présente ce que je viens de dire. Sur votre gauche, vous avez l'aliment naturel et sur votre droite, l'aliment transformé. Deux grandes catégories sont à mettre en évidence. Les aliments recombinés, peu de vrais aliments. J'ai envie ici de parler plutôt de l'altération de la matrice au niveau de l'aliment. On intègre une matrice artificielle qui, on ne sait pas ce que ça va donner au fur et à mesure. Les plats préparés avec des ingrédients, des additifs industriels de type cosmétique. Je pense que c'est cette partie-là qu'il faut peut-être prendre en compte. Et on discutera après, j'espère que nous pourrons évoquer quels sont les facteurs responsables. Je pense que c'est cette partie-là qui n'est pas mise en cause, mais qui est à prendre en compte pour améliorer notre qualité de vie et peut-être impacter de manière positive sur notre environnement. Quelles sont les caractéristiques de ces aliments transformés? Ces aliments transformés sont de faible densité nutritionnelle, avec une concentration importante en glucides et en lipides. Et entendu, nous constatons une altération de la réponse à l'insuline, de l'émergence de diabète de type 2. Cette alimentation ultra transformée a un effet rassasiant simple, ce qui explique que quand chaque fois vous partez de chez Marie, en sortant, vous avez envie de revenir. Ça altère malheureusement aussi le changement dans le système nerveux de la récompense, pouvant mener à des
comportement de surconsommation. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Personnellement, quand je vais avec mes enfants, un menu ne me suffit pas, je me retrouve avec deux menus. Voilà. Alors, quelle est la classification de ces aliments ultra transformés? J'ai retrouvé au niveau du site UFC Que Choisir, une diapo qui est hyper intéressante parce qu'au début, je voulais vous présenter simplement la classification Nova qui intéresse la plupart des instances de santé. Et j'ai découvert par la suite, effectivement, il y a une autre classification qui me paraît plus pertinente à destination des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Sur votre gauche, vous avez la classification Nova, quatre groupes d'aliments. Le premier groupe, ce sont des aliments bruts peu transformés. Le groupe 2, ce sont des ingrédients issus des matières brutes, par passage, raffinage, broyage et séchage. Le troisième groupe est issu du premier et du deuxième groupe. Et le quatrième groupe, c'est l'ultra transformé. Par contre, la classification de droite, je le trouve plus pertinent parce que ça permet d'avoir une vision un peu plus détaillée. Donc, la classification SIGA met en évidence le groupe 1, c'est l'alimentation tout simplement non transformée. Le groupe 2, peu transformé. Le groupe 3, transformé, équilibré. Et le groupe 4, transformé gourmand. J'aime bien ce mot, transformé gourmand. Le groupe 5, à partir du groupe 5, la situation se complique. Donc, on parle de l'ultra transformé équilibré, gourmand, et ultra transformé à limiter. Moi, je dirais plutôt à éviter. Les additifs alimentaires, je pense que Dr Serin les a évoqués tout à l'heure, pour ne pas citer le dioxyde de titane, le sodium nitrite qu'on a dans notre alimentation, le nitrite sodium, qui peut se transformer après cuisson en nitrosamine, et malheureusement c'est un composé qui est impliqué dans le développement du cancer colorectal. J'ai mis effectivement en même temps des études expérimentales pour dire effectivement qu'on retrouve pratiquement le même constat. Cependant, les études animales ne sont pas directement extrapolables à l'homme. Le bisphénol A. Le bisphénol A, donc le produit ultra transformé, comme les plats préparés, sont bien en contact avec leur emballage. Extrêmement préoccupant, perturbateur endocrinien, et rôle dans le développement des maladies chroniques du cancer. Mon but, c'est de ne pas vous faire peur, mais c'est un état des lieux. Je pense que ça nous permet de prendre conscience, malheureusement, de l'impact de l'alimentation ultra transformée. Ainsi, la consommation d'une alimentation ultra transformée, donc on verra après le pourcentage, altère la qualité nutritionnelle des aliments. La présence des additifs alimentaires peut être responsable aussi, les composés néoformés et les matériaux de contact. Le constat, c'est qu'on remarque une altération de la qualité, une altération qualitative et quantitative de ses propriétés des nutriments. Et ça agit, malheureusement, c'est une incidence sur le cancer, et ça agit sur la notion de sur-risque et de risque cancérogène. Je voulais aussi vous présenter la perception. Les facteurs de risque par la population française. J'ai retrouvé un papier dans le... je crois que c'est le... Je ne sais plus si c'est l'INCa ou le cancer. C'est le baromètre cancer, donc il a interrogé les Français en 2010 sur leur perception des facteurs de risque et de protection des cancers liés à la nutrition. Ainsi, au niveau des facteurs de risque, l'alimentation transformée est retrouvée pratiquement dans 82,2% des réponses. La consommation des compléments alimentaires dans 33,6% des réponses. Parmi les facteurs protecteurs, la consommation des féculents est un facteur protecteur dans les 36,6% des réponses. La consommation de produits laitiers s'améliore depuis effectivement, à un moment donné, tout au début, la consommation de lait était malheureusement incriminée en relation avec une augmentation du risque de cancer. Heureusement, donc on a fait la paix avec cet aliment et on s'est rendu compte que, au contraire, cette consommation permet peut-être il n'y a pas les facteurs de
je ferme les bouches. Cette consommation de lait, donc, elle n'est pas incriminée dans les facteurs de risque. La consommation d'aliments bio et des légumes secs, quand elle est perçue en grande partie comme diminuant le risque de cancer ou comme sans influence sur le risque de cancer. Alors, j'ai préféré vous présenter cette diapositive qui illustre le ressenti des Français. Ainsi, 73,9% des Français perçoivent la charcuterie comme un facteur de risque de cancer. Donc, on observe par rapport à la précédente enquête une augmentation de 26,5 points. Les Français perçoivent également la consommation de la viande rouge comme un facteur de risque de cancer. On voit une augmentation de 31,7 points par rapport à la précédente évaluation. 62,8% des Français, heureusement, perçoivent les fruits et légumes comme un facteur protecteur du cancer. 91,8% de la population française perçoivent l'alimentation comme ayant un rôle possible sur la survenue de cancer. Et toutefois, 55,9% des répondants se sentent très bien, ou plutôt bien informés sur les risques de cancer liés à l'alimentation. Alors, pour terminer, donc, je préfère vous parler des facteurs nutritionnels qui sont en relation avec le cancer et qui sont jugés convaincants ou probables. Parmi eux, on trouve des facteurs augmentant le risque nutritionnel et des facteurs diminuant le risque nutritionnel. Nous retrouvons le docteur Serin a parlé de ça tout à l'heure, la consommation de boissons alcoolisées, surpoids et obésité, consommation de viande rouge, consommation de compléments alimentaires et consommation d'aliments salés. Donc là, dernièrement, une diapositive, ou plutôt un poster que vous allez pouvoir trouver au niveau du réseau NACRE, vous met expose de façon claire les niveaux de preuves en rouge, les niveaux de preuves convaincants en rouge, de preuves probables en jaune. C'est ainsi où on retrouve effectivement la consommation de boissons alcoolisées, l'impact du surpoids et de l'obésité et la consommation de charcuterie et d'alpha-toxines. Les facteurs diminuant le risque de cancer, bien entendu, l'activité physique, la consommation de fruits et légumes et l'allaitement, qui est considéré comme un facteur diminuant le risque de cancer. Je reprends la même diapositive du réseau NACRE qui met en évidence et qui montre un facteur convaincant de l'activité physique sur l'incidence de survenue de cancer du côlon et du sein. En conclusion, je pense que il est important de faire la part des choses. Donc, je ne dis pas que la consommation de l'alimentation transformée est responsable de façon unanime de la survenue du surrisque et du risque de facteur de cancer, mais une certaine consommation importante, répétée dans le temps, peut être à l'origine. Réduire la consommation des produits transformés pourrait, à mon avis, réduire le risque de cancer. L'équilibre nutritionnel est un enjeu de santé publique. Je pense que je n'apprends pas grand-chose à l'assistance. Les aliments nous apportent un grand nombre d'éléments qui renforcent les défenses de l'organisme contre les divers états pathologiques, y compris le cancer. Donc, je pense qu'il est important de se réconcilier avec l'alimentation. L'alimentation n'est pas responsable de l'augmentation de ces facteurs de risque de cancer, mais par contre, la nutrition. Si on parle de nutrition, ça peut être discutable. Donc, je pense que c'est bien de se réconcilier avec une alimentation, ou je dirais plutôt un régime alimentaire préventif universel, avec une alimentation végétale, vraie, peu transformée et variée, avec une consommation de produits locaux et de saison. Je vous remercie. Merci Samy. L'exposé de Samy montre la complexité des choses et la façon dont il faut essayer d'appréhender avec finesse tous ces sujets. Maintenant, on parlait d'une population en bonne santé. J'espère qu'on va le rester le plus longtemps possible. On est bien d'accord, hein, c'est nutrition. En mangeant bien. Maintenant, on va parler d'une population particulière. Ce sont les gens qui sont malades du cancer. Et en quoi, dans ce parcours du combattant, la nutrition est un élément à la fois de confort, de qualité de vie
peut-être aussi de quantité de vie. Et je laisse la parole à celle qui, chez nous, est l'hyperspécialiste de semaine, le Dr. Clémence Tweck. La soirée étant bien avancée, je vais essayer d'être synthétique, de ne pas être trop technique. Donc, si je le suis, il faut m'arrêter, il faut me poser des questions. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est complexe. Donc, voilà, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut me le dire. Il ne faut pas hésiter. Bon, moi, je suis gastro-entérologue de formation. Je suis maintenant oncologue digestif et ORL à l'Institut Sainte-Catherine. Donc, comme vous vous en doutez, ce sont deux sous-spécialités de la cancérologie qui sont très pourvoyeuses de dénutrition, sévère parfois, et donc ma spécialité m'oblige à être très engagée dans la prise en charge nutritionnelle. Donc, est-ce que finalement beaucoup de patients sont concernés par les nutritions artificielles, sont dénutris au cours de leur traitement? Malheureusement, oui. Donc, comme vous le voyez, ce ne sont pas seulement des patients qui sont atteints de cancer digestif ou ORL, c'est presque toutes les localisations qui sont concernées. Et presque un patient sur deux est considéré comme en dénutrition modérée, voire sévère, à un moment donné de son traitement ou avant la prise en charge aussi, hein, puisqu'il y a des patients qui arrivent déjà très dénutris à la toute première consultation. Et le statut nutritionnel est donc une problématique majeure. On ne peut pas ne pas s'y intéresser quand on est oncologue. C'est vraiment incontournable et c'est une partie des traitements. Il y a la chirurgie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, mais il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Et ce sont des médicaments à part entière. Il y a une pharmacienne, Françoise de Faudette, qui l'a. Ce sont vraiment des traitements. Donc, pour définir un peu ce qu'est la dénutrition et surtout la sarcopénie, les deux sont vraiment intriqués. L'un ne va pas sans l'autre. En général, il y a une sarcopénie associée à la dénutrition. Et on peut tout à fait être obèse, dénutri et sarcopénique, puisque la sarcopénie, c'est une diminution de la force et de la masse musculaire. Donc, quelqu'un qui est obèse peut tout à fait, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur ces coupes de scanner, ces deux patients font le même poids. Donc, preuve que le poids n'est pas un paramètre, c'est un paramètre nécessaire, mais pas suffisant pour définir la dénutrition. Et vous voyez que l'un d'entre eux a beaucoup moins de muscles que l'autre. Donc, et pourtant, il a beaucoup plus de masse grasse, ce qui fait que le poids reste identique, mais c'est un patient qui va être en surpoids, mais dénutri sarcopénique. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Donc la prise en charge nutritionnelle pendant les traitements, je serai plus brève sur l'après-traitement, puisqu'en fait ça rejoint beaucoup ce qu'ont dit Daniel et Samy tout à l'heure, puisqu'on retombe en fait sur la prévention, mais là c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire diminuer son risque de récidive et prévenir la survenue d'un second cancer. Hein, donc ça recoupe beaucoup ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je vais surtout parler de ce qui se passe pendant les traitements. 10 points clés, je vais vous faire un peu participer aussi, parce que je pense que vous commencez à vous endormir. On va vous poser des questions pour la lever la main. Donc les besoins protéino-énergétiques sont très élevés chez les patients qui sont atteints de cancer. Ça, c'est vraiment une notion importante. Vous avez les besoins énergétiques de base nécessaires au fonctionnement de votre corps et vous avez un pourcentage, 20-30% de plus, qu'il faut rajouter pour les patients qui sont atteints de cancer. Donc, il faut environ 30 kilocalories, parfois jusqu'à 35 dans les maladies très agressives, très cataboliques, comme on dit, donc qui consomment beaucoup d'énergie, kilocalories par kilo de poids corporel et par jour. Donc, ça fait beaucoup, puisque une femme de ma corpulence doit avoir à peu près 1800 kilocalories par jour. Vous voyez que si j'étais un adulte de 70 kilos atteint de cancer, ça peut monter presque à 2500 calories par jour. Donc, c'est vraiment énorme. Et les besoins en protéines sont également très importants, puisque, comme je vous l'ai dit, le catabolisme est plus important dans cette période des traitements du cancer, et donc c'est un catabolisme qui agit surtout sur les protéines et donc sur la masse musculaire. Donc le cancer en lui-même fait fondre la masse musculaire, il y a des syndromes inflammatoires, plein de choses qui se passent, donc je ne vais pas détailler puisque ce n'est pas le propos de ce soir, et puis les traitements aussi ont une toxicité musculaire.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, qui est encore étudié. Et on sait que, par exemple, les chimiothérapies sont toxiques sur la moelle osseuse, sur les cellules du tube digestif. C'est pour ça que parfois, il y a des nausées, il y a de la diarrhée. Mais elles sont aussi toxiques sur les cellules des muscles. Et ça induit aussi une sarcopénie, donc une fonte de la masse et de la force musculaire. Donc, les moyens très simples qu'on a à la consultation pour évaluer cette dénutrition, pour la dépister, en fait, ça va être l'échelle que vous voyez là. Donc, c'est une échelle d'évaluation de la prise alimentaire. Donc, c'est très, très simple. Ça a été mis au point par analogie avec les échelles de la douleur, les EVA, vous connaissez peut-être. Et donc, c'est le patient, en fait, qui va indiquer au médecin ce qu'il pense manger au quotidien. Et donc, vous voyez qu'en dessous de 7, donc 7, c'est moins de 3 quarts de son assiette, chaque repas. En dessous de 7, on commence à s'inquiéter. Donc, on commence à s'inquiéter assez rapidement, en fait. Hein. Et le poids, bien sûr, puisque, en fait, on ne va pas faire passer un scanner au patient toutes les semaines pour mesurer sa masse maigre. Donc, le poids, c'est le seul indicateur facile qu'on a à la consultation. Donc, il y a une balance en toutes les consultations. Le patient doit être pesé à chaque fois qu'il vient voir le médecin. C'est indispensable. Et donc, soit il se pèse à la maison et il nous indique son poids, soit on le pèse au cabinet, dans la salle de consultation. Ça doit être toujours la même balance, par contre. Donc, la dénutrition, c'est une définition qui est assez complexe. En fait, il y a deux paramètres dont on se sert. Il y a l'impact clinique, donc c'est très simple, hein, c'est la perte de poids. La baisse du taux de protéines sur la prise de sang aussi, c'est un marqueur de dénutrition. Et la cause. Donc la cause, c'est en général la carence d'apport qui est multifactorielle, puisque ça peut être parce que le patient n'a pas faim, tout simplement. Ça peut être parce qu'il y a un obstacle sur le tube digestif ou sur les voies aérodigestives, hein, pour les cancers ORL. Donc tout ça, ça va entraîner une carence d'apport. Et comme on sait que les dépenses énergétiques sont beaucoup plus importantes chez le patient atteint de cancer, forcément la dénutrition peut arriver très très vite, hein, la balance se déséquilibre très très vite. Donc ça, c'est la définition de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc dès l'instant où il y a un critère de la première colonne et un critère de la deuxième, on définit la dénutrition. Donc, vous comprenez aisément pourquoi 40% de nos patients sont dénutris. On y arrive très, très vite. La dénutrition, elle va s'aggraver au cours des traitements, en l'absence d'intervention, bien sûr, mais aussi si on intervient. Donc, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dénutrition, elle va suivre la courbe des traitements. Donc, quand le patient va rentrer dans une phase active de ses traitements, il est beaucoup plus fragilisé sur le plan nutritionnel. Quand il va être dans une période de pause thérapeutique ou de rémission, l'état nutritionnel va se réaméliorer, etc., etc. Et comme le cancer devient de plus en plus, et finalement c'est une bonne nouvelle, une maladie chronique, on a des histoires très très longues, et donc il va falloir faire ces évaluations nutritionnelles de manière très répétée tout au long de la prise en charge. La dénutrition, elle est multifactorielle. Donc, c'est écrit très petit, en plus en anglais, je suis désolée, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, c'est les recommandations européennes. C'est les recommandations de l'ESMO, donc c'est la Société européenne de cancérologie qui a fait des recommandations extrêmement complètes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a des facteurs qui sont liés au patient et des facteurs qui sont liés à la tumeur. Donc, les facteurs liés au patient, il y a aussi le manque d'activité physique qui fait que la sarcopénie, la baisse de la masse musculaire va s'installer plus rapidement. Alors, c'est pas le propos de ce soir, l'activité physique adaptée, mais l'activité physique adaptée fait partie des soins de support et de la prise en charge de la dénutrition. Ça va vraiment de pair avec les compléments alimentaires, par exemple. Et il y a également des facteurs qui sont liés à la tumeur, donc sa localisation, bien évidemment. Parfois, la tumeur n'est pas forcément un obstacle pour le passage des aliments, mais elle va être d'une agressivité plus importante, avec une inflammation dans le sang qui sera très importante et qui fera que la dépense énergétique sera beaucoup plus importante. Je pense notamment au cancer du pancréas, j'en vois beaucoup puisqu'on en traite presque 150 par an à Sainte-Catherine. Et le cancer du pancréas est connu pour être un cancer extrêmement pourvoyeur de dénutrition.
la perte de poids diminue la survie globale. Ça, c'est un constat. Il y a plein d'études qui l'ont montré. Là, je vous ai choisi une étude française de notre collègue Pierre Sénès de Montpellier. Et donc, on voit très bien, vous voyez, les courbes de survie. Dès l'instant où l'indice de masse corporelle baisse, la survie va baisser aussi. Le risque d'échec du traitement est plus important. Donc, c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à dépister et à traiter en temps réel cette dénutrition, puisqu'on sait qu'elle a un impact direct sur la survie de nos patients par plusieurs mécanismes. Donc déjà, la sarcopénie va augmenter la toxicité des traitements. Donc si on a une masse musculaire qui est moindre, on sait que la répartition du médicament, la biodisponibilité du médicament sera différente. Et donc peut-être que le taux dans le sérum sera plus important aussi. Et donc, le risque de toxicité intervient à ce moment-là, le risque d'effets secondaires. Et si on a beaucoup d'effets secondaires, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les doses. Si on baisse les doses, ben, on est moins efficace. Parfois, on est même obligé d'arrêter les traitements. Et on a certains patients où le pronostic n'est finalement pas conditionné par le cancer en lui-même, mais par la dénutrition induite par le cancer. Et c'est ça qui peut mettre en jeu parfois le pronostic vital. Il y a même certains patients qui sont guéris, entre guillemets, même si on est toujours prudent avec ce mot quand on est oncologue, et qui sont tellement dénutris qu'ils sont en danger de mort, parfois imminent. Souvent, c'est des patients qui sont vus par Samy Koury en urgence et qu'on hospitalise. Donc ça, on va en parler juste après. Donc on sait que dans certaines études, cette diminution de la masse musculaire entraîne un risque de toxicité qui est 10 fois, parfois 15 fois plus important que chez un patient qui n'aurait pas cette sarcopénie. On sait également qu'un patient qui a une prise en charge nutritionnelle adaptée, quel que soit son stade et son pronostic, a une qualité de vie qui est meilleure par rapport à un patient qui n'aurait pas été pris en charge de ce point de vue-là. Donc, il y a vraiment plein d'avantages, bénéfices que le patient va pouvoir tirer d'une prise en charge nutritionnelle adaptée. Là, vous voyez sur ce diagramme, alors je ne sais pas si je vous l'ai, d'ailleurs, parce que c'est écrit très petit, mais tout ce qui est gris clair, vous voyez, c'est l'amélioration de la qualité de vie par la prise en charge nutritionnelle, à la fois du point de vue du patient et du point de vue de sa famille. Voilà. Encore fois, la famille perçoit plutôt une stabilité de la qualité de vie, mais le patient, lui, ressent vraiment un bénéfice. Donc, c'est aussi un argument pour les prendre en charge de manière optimale de ce point de vue. La prise en charge nutritionnelle, elle s'inscrit dans la globalité du projet oncologique. Pourquoi? Parce que elle fait partie des traitements, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un médicament. Et donc, on doit l'administrer en cohérence avec le reste des traitements anticancéreux. Parfois, on mène les deux de front. Par exemple, le cancer de l'œsophage, l'exemple le plus parlant. Le patient va être renutri en même temps qu'il démarre son traitement, parce que c'est très urgent, il ne peut plus manger, l'œsophage est bloqué. Donc, on est obligé d'intervenir sur le plan nutritionnel, mais en même temps, on ne peut pas attendre un mois, deux mois qu'il reprenne du poids pour démarrer la prise en charge de son cancer. Donc, il va avoir sa radiochimiothérapie en parallèle de la prise en charge nutritionnelle. Dans les cancers ORL, c'est également le cas. Donc, vraiment, les deux traitements doivent s'articuler d'une manière optimale. Et à l'inverse, chez les patients qui sont malheureusement dans un projet palliatif, palliatif, pas dans le sens fin de vie imminente, bien sûr, mais dans le sens où ils vont vivre avec le cancer, ils ne vont pas guérir, mais certains vivent plusieurs années, dans certaines tumeurs, maintenant, on fait beaucoup de progrès, notamment grâce à l'immunothérapie. Et ces patients-là, il va falloir pour eux adapter le projet nutritionnel à leur projet oncologique. Et donc, on va se baser, même si c'est très difficile, sur l'espérance de vie attendue. Parce qu'un patient qui a une espérance de vie très courte, par exemple de moins de 3 mois, c'est une contre-indication relative, certes, mais ça semble cohérent, ça fait partie du bon sens médical. On ne va pas lui infliger les effets secondaires d'une alimentation artificielle, alors que malheureusement, il risque de décéder rapidement. Et là, la priorité, c'est de préserver sa qualité de vie et qu'il soit le plus disponible et le plus confortable possible avec ses proches.
Donc, il faut vraiment adapter la décision au contexte. Et quand on initie une alimentation artificielle, on va en parler juste après, c'est très difficile de revenir en arrière. De dire on arrête l'alimentation parce que voilà, le pronostic n'est pas bon, le patient est hospitalisé, visiblement en fin de vie imminente. C'est très difficile d'arrêter les traitements nutritionnels à ce moment-là parce que l'alimentation a une valeur symbolique extrêmement forte. Donc, si on arrête l'alimentation à quelqu'un, c'est comme si on lui faisait mourir de faim. C'est le terme qui revient. Hein. Et donc, l'arrêt d'une alimentation artificielle qui peut entraîner des effets secondaires, c'est une décision collégiale, mais c'est aussi une décision qu'on prend en accord avec la famille du patient. Donc, quand on initie une alimentation artificielle chez quelqu'un qui est en soins palliatifs, il faut toujours penser à ce moment-là, ce moment où il va falloir l'arrêter. Et donc, ça permet aussi de mesurer les décisions qu'on prend au départ. Alors, quand il y a des indications d'alimentation artificielle, il y a plusieurs possibilités de renourrir les patients. Et donc, sur quoi on va se baser finalement pour déjà indiquer qu'il faut une alimentation artificielle et deuxièmement, choisir le mode d'alimentation artificielle. Donc, l'indication d'alimentation artificielle, c'est la dénutrition sévère. Hein, et c'est le patient qui a vraiment une baisse drastique de ses apports brutal. Donc souvent, les cas qui illustrent mieux cette situation, c'est le cancer digestif et notamment du tractus digestif haut, hein, le cancer de l'œsophage, de l'estomac, où là, brutalement, le patient ne peut plus s'alimenter, donc il faut intervenir très rapidement. Et puis, il y a des situations de dénutrition qui s'installent sur la durée, où là, on a parfois un peu plus le temps de prendre une décision collégiale. Et surtout, il faut faire preuve de pédagogie auprès du patient pour qu'il comprenne que c'est dans son intérêt d'initier cette alimentation et qu'elle va lui rendre service, également en termes de qualité de vie, on l'a vu tout à l'heure, pour les patients qui sont curatifs, donc je précise. Donc, la décision, elle se prend également par rapport à la cause de la carence d'apport. Si on sait que le tube digestif est fonctionnel, mais qu'il y a un obstacle haut situé, à ce moment-là, on va plutôt aller vers une alimentation qu'on appelle entérale. Donc entérale, ça veut dire qu'on utilise le tube digestif du patient pour le réalimenter. Et au contraire, si le tube digestif n'est pas fonctionnel, hein, donc par exemple, si le patient a une atteinte du péritoine, donc le péritoine, c'est la poche, l'enveloppe dans laquelle se trouvent les viscères, eh bien, ça peut donner parfois des micro-occlusions. Donc, bien évidemment, le tube digestif ne sera pas fonctionnel. Et à ce moment-là, on va aller plutôt vers des alimentations artificielles intraveineuses, donc qu'on appelle parentérales, en opposition à l'entérale. Et là, on va utiliser des cathéters, des voies centrales, en fait, pour administrer ces traitements, donc qui sont des poches de perfusion, hein, tout simplement. Donc, je vais vous montrer après. L'avantage et inconvénient, alors c'est vrai qu'on aurait tendance à aller davantage, les patients aussi d'ailleurs, hein, vers la nutrition parentérale, parce qu'elle ne se voit pas, ça n'impacte pas la vie sociale, il n'y a pas de transformation ou de mutilation corporelle, puisqu'on utilise un cathéter qui est de toute façon déjà présent en général pour faire la chimiothérapie. En revanche, le point négatif, l'inconvénient de ce mode d'alimentation, c'est le risque infectieux, puisqu'on peut infecter le cathéter et donc compromettre le traitement oncologique derrière. Et puis, il y a aussi davantage de troubles métaboliques. Donc, parfois, les patients ont besoin d'être hospitalisés assez longtemps pour prévenir les risques liés à la renutrition. Hein, puisque vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé quand il y a eu la libération des camps de concentration. Et puis, il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont été libérés dans ces camps et qui sont décédés de syndrome de renutrition. On les a réalimentés trop vite, de manière peut-être inadaptée. Ils ont fait des troubles métaboliques très sévères et ils en sont décédés. Donc, c'est un syndrome qui existe. Et donc, chez les patients qui sont en état de dénutrition sévère, on doit en tenir compte. Et maintenant, sur le plan législatif, on est obligé, hein, Samy, d'hospitaliser les patients 48 heures quand on initie ce type d'alimentation. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment on fait l'alimentation entérale? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous faire participer. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu une sonde d'alimentation entérale? Oui. Quelques personnes.
Donc, vous savez à quoi ça ressemble. Alors, il y a deux types de sondes. Il y a les sondes nasogastriques et il y a les gastrostomies. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, en haut, vous voyez la sonde nasogastrique. Alors, souvent, les patients, quand on leur parle de sonde nasogastrique, bien évidemment, ils prennent peur. Le mieux, c'est de leur montrer à quoi ressemble une sonde nasogastrique. C'est de la taille d'un gros spaghetti. La matière est très souple. Donc, c'est du polyuréthane ou du silicone. Donc, c'est vraiment quelque chose que le patient est censé oublier d'un point de vue confort. Mais le problème, bien évidemment, c'est qu'elle ne peut pas rester en place très longtemps, jamais au-delà de quelques semaines, hein, puisque ça peut causer des problèmes évidents d'irritation au niveau du nez, des muqueuses digestives, etc. Donc, ces sondes, elles sont mises en place le plus souvent en ambulatoire. Et le patient a sa première poche à l'hôpital le jour, et ensuite il repart avec l'administration des poches à domicile, avec son infirmière à domicile. Et quand les patients sont à l'aise, qu'on a trouvé le bon débit pour les poches d'alimentation, les patients sont souvent autonomes pour l'administration des poches. Voilà, donc ça, c'est vraiment un avantage. En dessous, vous voyez la gastrostomie. Donc la gastrostomie, là, c'est différent, puisqu'on est obligé de faire un trou dans l'estomac. Donc, vous voyez le trou ici. Elle peut être posée par un radiologue ou par un gastro-entérologue. Donc, ça peut être soit par voie radiologique où on gonfle l'estomac, en fait, avec beaucoup d'air, grâce justement à une sonde nasogastrique, on va insuffler de l'air comme dans un ballon, en fait. Le radiologue va regarder sur une radio en temps réel s'il retrouve la poche à air gastrique. Et à partir de là, il va implanter la gastrostomie donc par voie externe, en passant par la peau, au niveau de l'estomac. Voilà, donc ça, c'est la technique push, on appelle ça. C'est fait en général par un radiologue. La deuxième technique, qui est la technique pull, qui est faite par les gastro-entérologues. Donc là, on est sous anesthésie générale également, c'est préférable. Mais là, on va passer plutôt par les voies naturelles. Et il y a aussi un temps à la peau. Mais le gros de la mise en place de la gastrostomie se fait par voie endoscopique. Et là, on a besoin d'être deux gastro-entérologues, puisqu'il y en a un qui va être à la peau pour vérifier ce qui se passe, et un autre qui va tenir l'endoscope et qui va gérer toute la partie endoscopique. Voilà. Et cette technique, en fait, elle permet de placer une collerette. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, parce que la technique est un peu complexe, mais elle va permettre de faire passer une collerette sur le versant gastrique et de tirer la gastrostomie à travers la peau, ce qui fait que la gastrostomie est bloquée par la collerette et il n'y a pas de risque de chute. Voilà. Donc ça, c'est les deux techniques de mise en place. Cette gastrostomie, elle est prévue, vous pouvez vous en douter, pour des alimentations entérales qui durent. Hein, quand on part pour plusieurs mois, voire plusieurs années, chez certains patients d'alimentation entérale, on va poser une gastrostomie. Si l'alimentation entérale est temporaire, très courte, on va passer par la sonde nasogastrique. Alors, voilà, l'inconvénient, c'est l'acceptation par les patients, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais on est beaucoup aidé par les fiches pédagogiques de la Société française de nutrition. Et puis, quand on leur explique que ça va diminuer la toxicité des traitements et que ça va augmenter leur chance d'arriver à une guérison, les patients, en général, acceptent bien volontiers, surtout que c'est temporaire pour la majorité des cas. La nutrition parentérale, donc là, on passe par le cathéter, hein, par les veines. Et donc, vous avez des poches de nutrition qui ressemblent à ça, avec différents nutriments, des oligo-éléments également qu'on peut rajouter dedans. Et là, ça passe obligatoirement sur une pompe, puisque le débit doit être extrêmement contrôlé, sinon il y a un risque de surcharge, déjà, donc d'œdème pulmonaire, et puis de problèmes métaboliques. Donc voilà à quoi ressemble l'alimentation artificielle. Alors, Eugène, parce que j'avais anticipé, je savais que j'avais des questions sur le jeûne, donc autant aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le jeûne, c'est vraiment quelque chose de très controversé en cancérologie. C'est aussi un marché important. Alors, je précise, je ne suis pas l'auteur de la caricature. C'est le canard enchaîné, mais je suis assez d'accord avec le message. Parce que les patients qui jeûnent pendant un traitement du cancer, nous on les voit en consultation. On les accompagne comme les autres, bien évidemment. Il faut être ouvert à la discussion avec son patient. Il ne faut pas claquer la porte au nez parce qu'il a décidé de jeûner et que ce n'est pas dans les référentiels.
Donc, on reste bien évidemment à l'écoute et en dialogue avec les patients. Et notre rôle, c'est également de leur expliquer que maintenant, il y a des recommandations très sérieuses, hein, donc de l'Institut national du cancer et du réseau NACRE. Alors, le réseau NACRE, c'est un réseau nutrition en cancérologie français. Et ils se sont attelés à la revue de la littérature sur à peu près une trentaine d'années de toutes les études qui existent sur les régimes alternatifs, qui sont en général des régimes restrictifs, malheureusement, le jeûne et les compléments alimentaires. Et donc, ils ont fait une synthèse très objective de la littérature, hein, sans exprimer leur opinion, bien évidemment. Et il ressort de cette synthèse qu'il n'y a pas de preuve chez l'homme d'un effet protecteur du jeûne et des régimes restrictifs. Donc, ça n'apporte aucun avantage quand on est en traitement ou même dans l'après-traitement. En revanche, ça, ça semble logique, la pratique du jeûne induit un risque de dénutrition sévère et de sarcopénie. Et donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que la sarcopénie augmentait la toxicité des traitements. Je vois que vous endormiez. Donc, le jeûne peut, si on fait le raccourci, augmenter les effets secondaires des traitements. Et les patients, cependant, font beaucoup d'espoir sur ces pratiques et sur tout ce qui est régime cétogène. Vous avez certainement vu passer ce type de régime dans la presse grand public ou sur Internet. On met toujours en garde les patients. Moi, je leur dis toujours que le cancer, malheureusement, est très intelligent, malheureusement pour nous, et qu'il pourra se développer sans eau, sans oxygène, sans sucre, sans aucun nutriment, sans problème. Et c'est notamment vrai pour le cancer du pancréas, qui lui est coupé de la circulation sanguine, en fait, hein, qui n'a quasiment pas de vaisseau à l'intérieur de la tumeur. Et c'est d'ailleurs un vrai problème pour que la chimiothérapie arrive à accéder aux cellules cancéreuses, puisqu'il y a très peu de vaisseaux dans un cancer du pancréas. Donc malheureusement, le cancer se débrouille tout seul. Il a des techniques d'adaptation qu'on connaît très mal. Et surtout, le jeûne ne lui fera rien. Par contre, il fera beaucoup aux patients, malheureusement. Alors, les compléments alimentaires, alors ça aussi c'est un vaste marché, un grand sujet polémique. Souvent, les patients arrivent avec des valises entières de compléments alimentaires, des listes énormes, disant « voilà docteur, est-ce que je peux prendre ça ?» Donc en général, on fait passer la liste à Françoise de Crozelle et on lui laisse 3 jours pour l'étudier en détail avant de démarrer la chimiothérapie pour nous aiguiller sur le risque d'interaction médicamenteuse. Donc le champion des compléments alimentaires, c'est le desmodium, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Le desmodium est vendu comme un médicament qui détoxifie le foie. En fait, c'est un hépatotoxique et c'est surtout un traitement qui va interagir avec les chimiothérapies, notamment, et qui va diminuer leur efficacité. Donc, il faut faire très attention au desmodium, ça augmente le risque de toxicité parfois. Le bêta-carotène, c'était très à la mode il y a quelques années, j'ai lu le bêta-carotène, des patients qui se gavaient de carottes dans le traitement. Le bêta-carotène ne protège absolument pas du cancer, c'est considéré comme un antioxydant puissant, mais en fait, le fameux bêta-carotène augmente le risque de cancer et le risque d'échec de traitement chez les patients en cours de traitement pour un cancer du poumon et pour les cancers ORL1. Et notamment chez les anciens fumeurs, ce qui en général est le cas des patients qui ont un cancer ORL. Par exemple, poumon, c'est pas toujours le cas, mais les ORL en général, c'est souvent des anciens fumeurs. Donc, il faut oublier le bêta-carotène. Les décoctions de champignons. Donc, ça, c'est issu de la médecine chinoise. Voilà, il y a tout un terme médicinal. Alors, en dehors du risque d'hépatite fulminante, parce qu'il y en a quand même quelques-unes par an en France, ça interagit également avec les traitements anticancéreux et donc c'est déconseillé. L'efficacité n'a pas été prouvée, en tout cas, pas par des études randomisées, c'est sûr. Les orexigènes. Alors, les orexigènes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments qui augmentent l'appétit. Donc, on pourrait se dire, ah, bah, si la carence d'apport est liée à une baisse de l'appétit, bah, ça va résoudre le problème et ça va prévenir la dénutrition. Alors, ça peut être vrai en situation palliative, et notamment pour éviter d'avoir recours à des alimentations artificielles un peu agressives.
on peut avoir recours à des orexigènes. Donc, par exemple, il y a le mégestrol. Donc, c'est un traitement hormonal, en fait, hein, qui augmente, enfin, pas chez tous les patients, hein, c'est pas une science exacte, mais qui augmente un petit peu l'appétit. La cortisone, ça, c'est quasiment systématique. Les patients qui sont sous cortisone ont une amélioration de l'appétit, mais il y a quand même des effets secondaires. Donc, si on a une autre indication à mettre de la cortisone, pourquoi pas, mais si on la met juste pour redonner de l'appétit au patient, la balance bénéfice-risque n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, il y a un nouveau médicament qui est en phase de test encore, qui est l'anamoréline. Premier résultat était très encourageant. Donc, c'est un analogue de la ghréline qui est censé redonner l'appétit en jouant sur les hormones de l'appétit, justement. Là, pour l'instant, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'en entend plus parler, qu'il n'y a pas eu de grosses études randomisées. Donc, je pense que ce n'est pas très bon signe. C'est certainement l'efficacité attendue a été un peu décevante. Dans l'après-cancer, on en a parlé tout à l'heure, le surpoids augmente le risque de récidive. Donc là, je vous ai mis deux cancers où ça a été le plus étudié. Donc, il y a le cancer colorectal et le cancer du sein. Et on voit très bien que les patients qui sont obèses, par exemple, ils ont une incidence de la récidive qui est plus importante que les autres. Voilà. Et là, vous voyez la survie sans récidive ici, pouf, elle dégringole quand on a un régime low méditerranéen, c'est-à-dire un régime certainement très déséquilibré, c'est certainement bien américain, parce que c'est une étude américaine. Et vous voyez que même un régime méditerranéen modéré, je crois qu'on en parle après, le régime méditerranéen, même modéré, vous voyez, c'est comme le régime élevé. Donc, si vous mangez au minimum 3 fruits et légumes par jour, c'est vraiment le seuil minimum, si possible 5, vous diminuez déjà drastiquement votre risque de récidive. Alors, les recommandations de la SFNEP, donc c'est la Société française de nutrition entérale parentérale qui a été renommée depuis. Pour les patientes qui sont en surpoids ou qui sont obèses et qui ont eu un cancer du sein, qui sont dans l'après-cancer, c'est bien évidemment de proposer un accompagnement diététique pour éviter qu'elles prennent du poids, mais surtout pour qu'elles en perdent. Adapter le régime alimentaire pour cela et augmenter l'activité physique. Donc vous avez compris que la nutrition, la prise en charge nutritionnelle, elle est indissociable pendant le cancer et après le cancer de l'activité physique, qui est adapté pendant les traitements, APA, activité physique adaptée, et ensuite les patients reprennent progressivement une activité physique normale, optimale, dans l'après-cancer, qu'ils doivent conserver tout au long de leur vie. C'est très important. Alors, je vous ai remis cette diapositive qui rejoint tout ce qu'on a dit depuis le départ, donc je ne vais pas m'étendre, mais juste pour dire que, vous voyez, dans toutes les recommandations nutritionnelles sur la prévention des cancers, il y a un petit encart sur l'après-diagnostic. Hein, qui signifie qu'il faut suivre toutes ces recommandations pour réduire son risque de récidive et son risque de second cancer. Parce que ça, c'est très important. On guérit de plus en plus de patients. Et donc, ça veut dire que beaucoup de patients vont faire un deuxième, un troisième, parfois un quatrième cancer dans leur vie. Et donc, il faut faire très attention à ça. Donc, en résumé, alors c'est une diapo que j'ai piquée à Yann Arens. Je pense que tu connais Céline Van Arens. C'est lui qui a fait les recommandations européennes de la nutrition. Il est toujours très pédagogue. Donc, il avait fait un topo à l'ESMO au Congrès européen de cancérologie il y a quelques mois. Et donc, il a émis des recommandations très claires, comme toujours. Et donc, à savoir que le statut nutritionnel a un impact sur l'efficacité des traitements et sur la qualité de vie. Donc, il doit être ACC, j'allais dire, mais c'est un terme anglais. La dénutrition doit être dépistée tout au long des traitements. Il faut peser les patients. Ça, c'est malheureusement pas toujours fait. Les objectifs sont différents, comme vous l'avez vu, en situation curative, en situation palliative et dans l'après-cancer. Donc, un patient qui a une espérance de vie de moins de 6 mois ou de moins de 3 mois, on va pas l'embêter avec des choses agressives. Ça, c'est vraiment une notion importante. La dénutrition doit être dépistée régulièrement. Ça, je vous l'ai dit et redit. Les spécialistes en nutrition doivent être disponibles. Nous, on a le docteur Coury.
On a la chance d'avoir le docteur Pouy, puisque beaucoup de centres anticancéreux n'ont pas de médecin nutritionniste. On a la chance d'en avoir un. Donc, il évalue tous nos patients avec une équipe de diététiciennes. Et donc, ça permet de mettre en place de manière très réactive les alimentations artificielles et surtout d'assurer le suivi des patients. Ça, c'est médico-légal. Quand on met en place une alimentation artificielle, on doit suivre son patient. La prise en charge nutritionnelle ne peut être optimale que dans le cadre de soins de support pluridisciplinaires. Donc, ça s'intègre dans la prise en charge globale, holistique du patient, à la fois les traitements spécifiques, donc qui sont indiqués par la réunion de concertation et par l'oncologue ou le radiothérapeute référent, mais aussi tout le reste. La prise en charge par le psychologue, la prise en charge douleur. Parfois, le patient est dénutri, il ne mange pas parce qu'il a mal, tout simplement. Donc, il suffit de mettre en place un traitement antalgique adapté et il reprend du poids. C'est tout à fait logique. Donc, tout ça, ça s'intègre vraiment dans la globalité des soins de support. Et c'est vraiment une notion importante. Nous, on a la chance d'avoir une grosse équipe de soins de support à Sainte-Catherine et sur laquelle on peut s'appuyer aussi pour ces patients. Alors, je vous ai mis quelques références, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Donc, photographiez bien cette diapositive. Je vois que tout le monde sort son téléphone, je suis bien. Parce que là, vous avez vraiment les sites de référence. Tout ce que vous trouverez sur ces sites a été vérifié, prouvé par des études, des cohortes, avec des avis d'experts français, mais aussi européens. Hein, l'ESPEN, c'est européen. Bon, là, c'est en anglais. Et tout le reste est en français. C'est gratuit, accessible à tous en ligne. Donc, vraiment, allez-y. Voilà, et j'en ai fini. Je crois que quand on a choisi avec Xavier et le comité de l'école hôtelière un thème alimentation et cancer, on pensait bien qu'on allait soulever des questions difficiles, et que l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, comme vous le voyez, avec cette prise en charge pluridisciplinaire sur laquelle on commence à insister. Alors maintenant, je crois que c'est le feu d'artifice. Je crois que moi j'attends, c'est pour te exposer de la prise de parole de Christophe Baquier, mais je vais laisser la parole à Xavier aussi. Si vous voulez, là on a été un peu plombé, hein, quand on vous a dit, c'est pas je suis bien d'accord avec vous, c'est un peu tard, vous êtes hypoglycémique, hein, pas en nutrition encore, hyponutrique, mais. Et là, on attend quelque chose, on attend quelqu'un. Je vais faire passer un message très simple. Il n'y a pas de mythe d'aliments anti-cancer. Vous mangez du curcuma tous les jours, ça ne diminue pas votre risque de cancer. Par contre, et c'est là où je donne avec plaisir la parole à Christophe, les régimes peuvent être pro-cancer, vous l'avez vu avec ce qu'a dit nos médecins collègues, mais on a une certitude, c'est que le régime méditerranéen, et l'avant-dernière diapo de Clémence l'a montré, c'est un véritable élément de prévention. Ben, s'il y a un message à faire passer, c'est que nous avons la chance d'être dans une région où il y a des produits excellents, il y a des maîtres cuisiniers, il y a des chefs, il y a des étoilés, etc. Et ben, faites-nous rêver maintenant, hein, parce qu'on en a besoin. Hein. Bonsoir à tous. Merci de me lancer parce que c'est... Je commençais à poser des questions, vous allez pouvoir discuter avec Mathieu, avec Xavier, pardon, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter après tout ça? Écoutez, je suis ravi d'être devant vous, je peux pas dire que j'ai été ravi d'entendre tout ça, mais d'entendre effectivement que les aliments, que la nutrition, même si j'avais pas de doute là-dessus, fait partie intégrante de notre santé, de notre bonne santé, doit nous faire réagir tous. Alors, très modestement, en qualité de cuisinier, je vais essayer de, même si je crois qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus conscience, que la qualité des produits et la qualité de ce qu'on mange est extrêmement importante. Alors, c'est peut-être pas dans cette salle ce soir, devant vous tous, même si vous êtes attentifs
et prenez, j'espère, plaisir à écouter tout ça. Pour moi et pour nous, puisque Xavier est à côté de moi, et je crois que notre corps de métier, pour la plupart d'entre nous et pour la plupart des chefs exigeants, on a besoin de produits de qualité. Et je crois qu'à travers notre métier, on est dans une école hôtelière aujourd'hui, et la jeunesse qui apprend quotidiennement le métier de cuisinier, ou les gens qui la transmettent, c'est-à-dire les serveurs, doivent être quotidiennement obnubilés par tout ça. Et je serais tenté de vous dire que la chance que nous avons dans notre belle Provence, dans la Méditerranée, c'est qu'effectivement, il existe des produits, et des produits de grande qualité, des produits magnifiques, des produits qu'il faut essayer d'utiliser et cuisiner le mieux possible. Je serais tenté de vous dire de la manière la plus saine. Toutes les cuisines sont bonnes, mais les cuisines où on va s'effacer devant le produit, c'est-à-dire le laisser parfois le plus naturel possible. Vous voyez, vous avez un exemple devant là qui est une de mes spécialités, c'est-à-dire que je fais un aioli revisité avec une sauce extrêmement légère qui n'est pas sur la photo, mais on travaille les produits et les produits de saison. Alors là, il y a des tomates, il y a des pâtissons, on devait être dans l'été. Voilà, je serais tenté de vous dire qu'il y a un régime, le régime crétois, le régime méditerranéen, qui fait appel. Moi, je viens du Var, je me suis un petit peu éloigné de la mer, mais là, les produits de la mer sont importants. Et je crois que même si les mers aujourd'hui, malheureusement, les stocks de poissons baissent, je crois qu'il faut s'y intéresser beaucoup, et s'y intéresser à travers des produits qui sont malheureusement et parfois méconnus. Je pensais au maquereau, je pensais à la sardine, je pensais à tous ces poissons gras qui sont extrêmement importants pour la santé et pour nous. Je vais penser à des poissons, et ça me fait, en même temps que je vous parle, ça me fait penser au fait que il faut faire passer ce message-là. Le thon rouge en particulier, le Méditerranée, est très bon pour la santé, et au contraire est important aujourd'hui de reconsommer. Vous voyez que Xavier, sur sa poche, a le sigle des relais châteaux. Et il y a une dizaine d'années, Olivier Rollinger nous a demandé à tous d'arrêter de travailler du thon, et à juste titre, puisque les stocks de thon baissaient très largement en Méditerranée, et beaucoup d'entre nous, voire la majorité, et je vous dis même au Japon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, même au Japon, alors pour vous dire qu'au Japon, les chefs japonais leur demandent d'arrêter de travailler du thon, autant leur dire de se couper les deux bras, ça ira plus vite. Ils ont réussi, ils nous ont suivis dans cette. Les stocks de thon sont remontés. Maintenant, il y a des pêches qui sont faites de manière artisanale, avec des pièces baguées, etc., etc., suivies. Et on a des stocks qui sont remontés. Et maintenant, on peut en fait retravailler le thon. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire passer ce message qu'il est important de soutenir également les pêcheurs qui font qu'on peut avoir du thon sur nos tables. Voilà. J'entendais parler tout à l'heure, effectivement, de faire attention à la viande rouge et peut-être de la diminuer parfois. Je serais tenté de dire, mais tout à fait modestement, que d'en consommer mieux peut-être. Je crois que de défendre également nos producteurs, c'est également important, les éleveurs, et de consommer mieux, de consommer meilleur. Je crois que le monde aujourd'hui et les gens qui peuplent cette planète ont des responsabilités vis-à-vis de soutenir les gens qui travaillent bien. Voilà, si on en est là, j'entendais parler de pesticides et de toutes ces choses-là, si on en est là, c'est parce qu'aujourd'hui on a voulu. Moi, je suis effaré quand je vais dans certains, j'y vais rarement, mais quand je suis ma femme dans certains supermarchés, je suis effaré. On voit des tomates, on voit des courgettes, on voit à toutes les saisons. Mais si on arrêtait de consommer toutes ces merdes toute l'année, on arrêterait peut-être d'en produire, tout simplement. Alors il suffit pas de moi je ne vais pas me présenter devant vous comme un ayatollah de tout ça, parce que c'est pas le je pense qu'il en faut pour tout le monde. Mais je crois que si l'être humain redevenait peut-être un peu plus raisonné, on serait peut-être moins consommateurs de tous ces produits, et si on était moins consommateurs de tous ces produits, eh ben, on n'en fabriquerait peut-être plus.
tout simplement. Et peut-être que le devoir que nous avons tous, c'est peut-être de réfléchir à tout ça et de se dire que si on suivait la saisonnalité, si on suivait les produits locaux, alors on parle de Méditerranée, mais je pense que la France est riche, est extrêmement riche, à travers toutes ces régions de produits fantastiques. Si on pouvait suivre les saisons, alors là aussi, faire attention aux saisons. On a la chance en Provence d'avoir des tomates jusqu'au mois d'octobre. Alors quand on met sur les réseaux sociaux une photo avec une tomate au mois d'octobre, on dit « Ouh là là, c'est plus la saison des tomates !» Les saisonnalités, en plus, les saisonnalités changent puisque le temps change. Il faut suivre les saisons, il faut suivre dans les marchés. Alors c'est facile à dire, c'est aussi des budgets. Des budgets importants, du temps pour les ménagères qui n'en ont peut-être pas, ou pour les ménagers aussi, puisque la cuisine peut se faire à deux. Oui, mais c'est vrai, la cuisine peut se faire à deux. Je veux dire aussi, n'hésitez pas, si certains me posent des questions, justement, c'est le moment. Et après, oui, parce que je pourrais parler aussi longtemps. Je n'ai pas préparé comme vous, je suis moins... Mais je vous parle tout simplement, je pense que les trois médecins qu'on a eus, on parlait avec leur cœur et on parlait, ça fait flipper parfois, moi j'ai flippé. Mais je dois avouer que ça doit faire prendre conscience que la richesse que nous avons de pouvoir à la fois manger une gastronomie qui peut se faire, c'est pas forcément complexe. La gastronomie n'est pas forcément complexe. La gastronomie est l'acte de manger correctement des produits de haute qualité. C'est ça la gastronomie. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans un restaurant dit gastronomie. Alors maintenant, on entend gastronomie, c'est une gastronomie qui enfin, y en a pour toutes les sauces. La gastronomie est l'art de manger de manière qualitative. Chez soi, on peut être en tête à tête et faire un dîner gastronomique avec un joli filet de maquereau qu'on a assaisonné comme on a voulu. La gastronomie, c'est ça. Et si on arrivait à recentrer un petit peu tout ça, je pense qu'on serait encore plus fort. Alors maintenant, peut-être que vous avez des questions à nous quatre ou à nous cinq, je sais pas. Je vous laisse un petit peu aussi vous parler parce qu'on a beaucoup parlé. Je pourrais vous parler de cuisine très longtemps comme ça, produit, mais je pense que l'échange à 20h là, est peut-être plus ludique pour tout le monde. Vous voyez que le monde de la restauration est quand même peut paraître parfois, faut penser qu'il n'en est pas du tout inquiet par le sujet du bien manger, dans le sens où pas que par le goût, bien bon pour la santé. Mais aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, c'est vraiment pour nous un sujet important. C'est un sujet important parce que grâce à ça, ça nous force, ça nous pousse à aller à l'essentiel, à ce qu'on aime vraiment, c'est-à-dire trouver des bons produits, sans, comme disait Christophe, trop non plus les travailler aussi, parce qu'on a aussi la malbouffe, entre guillemets, qui a été évoquée tout à l'heure, bien, c'était de la production travaillée, je ne sais pas comment vous avez appelé la nature ultra transformée. Eh bien, la restauration, aujourd'hui et de demain, moi je suis convaincu, je ne sais pas ce que pense Christophe, mais c'est le fait de travailler les produits finalement le moins possible, mais quel travail de trouver des bons produits. C'est encore plus dur de trouver des bons produits que de les cuisiner. Vous savez, aujourd'hui, on a pris, t'as raison, mais aujourd'hui, je crois que dans nos cuisines à chacun, et ça vaut pour tout le monde, on a fait un gros travail sur le sucre, par exemple, où on a une baisse très importante de la quantité de sucre qui apparaissent dans nos recettes. J'entendais parler de sel tout à l'heure, je suivais et je voyais le sel. Les sels et l'assaisonnement de nos produits, mais si déjà on faisait attention au sel, d'arrêter d'acheter des sels raffinés, là. Ça serait déjà pas mal en utilisant des sels naturels, etc. Là aussi, la Provence... Les farines, on peut en parler, on a des farines fantastiques. Oui, madame. Vous pouvez expliquer ce que c'est un sel naturel, Un sel naturel, c'est un sel qui n'a pas été raffiné, donc qui n'a pas été...
travaillé, ou la main de voilà, et où on va garder tous les minéraux importants. Et je pense, je ne peux pas citer de marque, mais je pense par exemple au sel rose de l'Himalaya. Est un sel qui n'a pas été. Alors, c'est un sel qui va coûter plus cher, ou la fleur de sel. On est en Camargue, enfin, vous n'êtes pas loin, on n'est pas loin. La fleur de sel, par exemple, voilà. Alors, vous avez tous les sels très blancs, là, qui sont voilà, des sels raffinés. Mais après, est-ce qu'il est nécessaire forcément de saler? Parce que parfois, un produit, s'il est bon, bien travaillé, est-ce qu'on est nécessaire de le saler? Est-ce que le sel, parfois, on croit qu'on pousse le goût avec le sel, mais parfois, le sel passe au-dessus du goût? Est-ce qu'on est conscient de ça aussi? On baissait le sucre, mais aujourd'hui, je crois qu'on baisse le sel et on sale différemment. Pourquoi on ne salerait pas avec quelque chose de séché, avec quelque chose de râpé, on va pas, alors, on n'apporterait pas un condiment. On utilise beaucoup, exactement, on utilise un certain nombre de condiments. La poudarde, par exemple, en fait partie. On utilise aussi, on va utiliser des garums. Voilà, alors le garum, c'est un jus qu'on obtient, par exemple, un garum d'anchois. Vous mettez des anchois dans un bocal avec du gros sel, par étage, comme ça, et vous laissez quelques mois, c'était des moyens de conservation qui étaient des moyens de conservation ancestraux, et qui amènent puisque la matière a été cuite par le sel, et de cette matière en sort un jus, et de ce jus, on peut s'en servir de manière, alors c'est très très salé, et s'en servir de manière dans une vinaigrette, par exemple, quelques gouttes, d'un garum d'anchois ou d'autres garums qui sont, voilà, c'était des, je crois, sans dire de bêtises, que c'était des choses qui se faisaient du temps des Romains et qui permettaient de conserver et d'assaisonner. Voilà, je crois, comme le dit Xavier, il y a plein de manières aujourd'hui. On a fait un gros travail, on continue à faire un gros travail dans nos cuisines. C'est difficile pour moi, mais vous voyez, j'ai eu la chance, quelques années en Corse, d'intervenir dans des lieux qui ne sont pas brillants en restauration, c'est les EHPAD, pour justement essayer d'amener un petit peu de... Ouais, un petit peu de mieux. Et on s'aperçoit que c'est marrant ce que vous disiez tout à l'heure, madame, à la fin, enfin marrant, tout est relatif, mais c'était de se dire qu'à travers, vous voyez, vous disiez que de maintenir les gens avec le poids, etc., c'est hyper important, de maintenir la joie de vivre à travers le repas, à travers la nourriture. C'est extrêmement important, en finalité. Et quand je parle des pâtes, c'est parce que malheureusement, les gens qui sont dedans se raccrochent, courent pas. Et de pouvoir intervenir et d'essayer, parce que, encore une fois, tout à fait modestement, parce que là, il y a des méthodologies de cuisson qui enlèvent toute le côté nutritionnel aux aliments, parce qu'on leur fait subir des choses, et surtout des températures de cuisson et des longueurs de cuisson qui font que, mais ça permet de réfléchir. Comme là, j'ai été contacté sur Marseille pour justement avoir l'inverse pour les tout bébés, de confectionner des purées, etc., de légumes pour donner le goût au plus jeune âge, de manière à ce que les enfants, les parents prennent conscience que la qualité des produits est hyper importante en finalité, très importante. Le masque, peut-être, ça vous gêne? Ben, c'est parce que je suis en traitement, évidemment, il me protège. Et bon, moi, je suis éducatrice sportive. Tout à l'heure, vous avez fait, souvent même, vous avez parlé d'activité physique et le mot sarcopénie, donc le poids et donc la fonte musculaire. Donc, l'activité physique, vous entendez à la fois le travail cardio et travail de renforcement musculaire. Oui. Ça fait... En fait, c'est une réadaptation à l'effort. Donc, il y a le cardio pour réadapter le corps à l'effort, puisque quand on est en traitement, on est fatigué. Donc, on passe beaucoup de temps au fauteuil, parfois au lit. Et donc, il faut essayer d'expliquer aux patients que sortir une demi-heure marcher dehors, ça peut déjà être un début. Et puis après, il y a le côté renforcement musculaire.
Et là, ça fait partie intégrante de l'activité physique adaptée. Parce qu'il y a des programmes spécifiques que vous connaissez certainement très bien. Moi, je suis éducatrice sportive chez les bien portants. Ah. Là, c'est parce que moi, je suis en traitement et que justement, je fais l'activité physique cardio et que je me rajoute du renforcement musculaire. Ouais, c'est très bien. Voilà. C'est très bien et ça permet de lutter contre la sarcopénie parce qu'il y a les apports protéiques dans l'alimentation. Pas trop non plus, parce que si on consomme trop de protéines, parce qu'il y a des patients qui se nourrissent que de protéines, ça les fait maigrir. Hein, puisqu'on sait que les patients qui les personnes qui font du culturisme font des régimes hyperprotéiques, donc ça fait fondre la masse grasse. Hein. Et ça renforce la masse maigre, certes, mais ça fait fondre drastiquement la masse grasse. C'est le régime hollywoodien pour perdre 20 kilos avant de tourner un film. Donc il faut pas faire ça en traitement. Donc on essaie de l'expliquer aux patients. Et l'activité physique adaptée, en fait, c'est quand si on le fait bien, ça prend du temps. Hein, c'est 3 heures par semaine. Moi, je fais 1 heure par jour. C'est déjà très bien. Bravo. J'ai envie de rajouter, l'activité physique, c'est une prescription médicale adaptée. Donc ça se fait pas n'importe comment, donc c'est une prescription médicale qui est faite suite à une évaluation. Donc, il y a tout un bilan. Moi, je suis suivie. Il y a le bilan nutritionnel. Il y a tout un bilan où on va évaluer les carences, on va combler ces carences. Et puis après, donc il y a ce binôme le kiné coach à part qui vont intervenir pour établir votre bilan de votre compétence initiale avant la mise en place de ce projet d'activité physique. Il y a la nuance entre l'activité sportive et l'activité physique. Donc c'est tous les mouvements qui vont vous permettre de vous dépenser sans être fatigué. Voilà. Continuer à parler. Voilà. Et le renforcement musculaire, il va de pair. Donc ça va permettre, si vous passez par une activité, vous avez un programme d'activité physique qui vous est adapté en fonction de votre état, de vos apports, vous allez forcément renforcer vos muscles parce qu'il y aura un apport en protéines qui va être suffisant. Donc c'est une prescription médicale. Donc ça fait partie de la prise en charge. Vous avez montré, vous avez pointé du doigt 2 ou 3 fois les compléments alimentaires. Est-ce que vous pourriez préciser, en fait, parce que je n'avais pas du tout cette image-là, il y a beaucoup de compléments alimentaires, vous en avez cité 2 ou 3, mais vous pouvez expliciter un petit peu. En fait, il ne faut pas confondre des compléments nutritionnels oraux, qui sont une prescription médicale. Donc là, c'est le patient qui a carence d'apport, mais qui n'est pas encore au stade de nécessiter une alimentation artificielle. Et qui peut avoir des compléments nutritionnels oraux. Donc, c'est des petites boissons en général. Ça existe aussi sous forme de crème, de gâteau, de soupe, qui sont prescrits par le médecin et qui sont disponibles en pharmacie de ville. Donc, c'est un traitement, on peut dire. Hein. Alors, en général, les patients ne les aiment pas beaucoup parce que c'est très chimique. Mais ça permet d'augmenter entre 300 et 600 kilocalories les apports par jour. Donc, c'est beaucoup quand même. Et après, il y a les compléments alimentaires. Là, c'est autre chose. Donc là, c'est disponible sans ordonnance, en pharmacie, en parapharmacie et sur Internet, beaucoup. Hein. Beaucoup de patients qui achètent sur Internet des choses qui ne sont pas autorisées en Europe, y compris les champignons chinois, etc. Et là, par contre, ce n'est pas du tout contrôlé. Il n'y a pas de prescription médicale. Il faut en parler avec son médecin parce qu'il y a des choses qui sont inoffensives dans les compléments alimentaires. Hein. Il ne faut pas diaboliser les compléments alimentaires. Mais la plupart du temps, ceux qui sont conseillés aux patients qui sont en traitement pour les cancers, ce sont des compléments alimentaires qui sont loin d'être inoffensifs. Parce que sous couvert d'être détoxifiant de je ne sais quel organe, justement, le métabolisme de ce médicament va se faire par cet organe en question, notamment le foie, hein, parce que ça peut être aussi les reins, et au passage faire des dégâts ou accélérer l'élimination de l'anticancéreux et l'empêcher d'agir correctement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou au contraire, ralentir son élimination et augmenter le risque de toxicité. Il y a les deux. Donc c'est sur ces compléments alimentaires-là qu'on est vigilant. Alors on ne diabolise pas, bien évidemment. Le patient vient avec sa liste. Normalement, on transmet la liste à notre équipe de pharmaciens qui sont très calés sur les interactions médicamenteuses, chose que nous, on maîtrise moins parce qu'on est surtout des cliniciens, donc on charge les patients, mais on maîtrise moins les interactions entre les médicaments.
Et à partir de là, on va émettre des recommandations aux patients. Ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine, il y a, François, je suis la parole, il y a dans les recommandations de la Haute Autorité en Santé, le dernier point, que vous avez peut-être vu parce qu'on est peut-être allé un peu vite, c'est lutter contre les fake news. Et le thème que vous venez d'évoquer, monsieur, fait partie de ces domaines qui sont très controversés. Hein. Clémence a été très claire dans ce qu'elle a dit. Et où la parole en santé publique est très souvent dévalorisée. Ce qu'on vient de vivre avec le Covid, on montrait comment la parole de santé publique a été très contestée. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur ni de morale. Je fais le sociologue, je décris. Eh bien, dans nos domaines comme l'alimentation et le cancer, le nombre de fausses nouvelles, vous faites du curcuma tous les jours, baignez-vous dans le soja, c'est des conneries. Et quand on dit ça, on a l'impression d'être un vieux débile. Et c'est pour ça que je vais faire le raccro avec les maîtres cuisiniers, les chefs. Quand ils prennent la parole en santé, ils ont une vertu en santé publique. C'est-à-dire que la parole de tous mes amis, les chefs qui nous accompagnent dans le dîner des chefs, et je suis heureux de les saluer et de les remercier, tous, même le plus ancien, le maître des maîtres, est ici. C'est que vous avez un rôle en santé publique. Vous parlez de santé et votre crédibilité, à la limite, elle est supérieure à celle que nous avons, nous, dans le domaine de la santé. Quand un chef parle, comme Christophe vient de le faire, du sel et de tous ses produits, on l'écoute. Et il aurait une audience nationale et ça résonnerait chez les gens. La même parole dite par un médecin, il y a un déficit très notoire. Hein, je vous vois opiner du chef. Donc, je crois que c'est important, puisque nous sommes des citoyens et des citoyennes qui veulent être informés, c'est de savoir faire la part des fake news et en alimentation, il y en a un paquet. Françoise, je voudrais que tu aies dit quelque chose. J'ai juste envie de rajouter effectivement quelque chose d'hyper important, complément alimentaire et complément nutritionnel, au rôle nutritionnel. Tout le monde ne peut pas prendre les compléments nutritionnels oraux. C'est une prescription médicale qui est basée sur un déficit d'apport en nutrition et tout est calculé. Donc, il y a une évaluation nutritionnelle qui est faite par la diététicienne, etc., etc. Par contre, les compléments nutritionnels oraux, tout le monde peut consommer. Et pourquoi les compléments alimentaires, excusez-moi, tout le monde peut les consommer. Mais pourquoi sommes-nous obligés de consommer ces compléments alimentaires? Est-ce que parce que notre nutrition n'est pas de qualité? Non. Alors, vous vous exposez, enfin, la plupart du temps, s'expose à un risque de surdosage. Et là, la Haute Autorité de la Santé nous alerte contre le risque de surdosage, de consommation d'un certain complément alimentaire, carotène, etc. Je vais plus loin. Je vais vous parler aussi de la consommation des vitamines, une surconsommation de vitamine D, de zinc, etc., etc. Avons-nous besoin de cette consommation artificielle? Je ne fais pas, loin de là, je ne fais pas le procès aux compléments alimentaires, on a besoin. Les patients viennent me voir, est-ce que je peux consommer de la vitamine C? Ben, on peut la consommer sous une autre forme, des oranges fraîches, où je vais profiter de l'aspect gustatif, c'est bien. Les compléments alimentaires, ce qui nous manque, on peut le trouver au niveau de l'alimentation. Et voyons, disons, de la notion la plus importante, quels sont nos besoins énergétiques journaliers en fonction de notre, niveau d'activité physique. Une personne qui bouge beaucoup a peut-être une évaluation comme, je dirais, un apport important. Et est-ce que cette personne, elle mange normalement? Est-ce qu'elle consomme des produits de qualité? Si c'est le cas, elle n'a pas besoin de compléments alimentaires. Pourquoi complément alimentaire? Présente-toi, François. Oui, François Docrodel, je suis pharmacien à Sainte-Catherine. Donc, juste au niveau des compléments alimentaires, d'accord, très souvent aujourd'hui, ils sont hyper variés et avec beaucoup de choses. Et par définition, quand il y a beaucoup de choses dans une gélule, d'accord, quand il y a beaucoup de choses, eh bien, on ne sait pas ce qui passe réellement. Et si vous allez vraiment dans la composition, d'accord, vous avez des micro-quantités, d'accord, des micro-quantités de tout. Ça fait quoi? Pas grand-chose, parce qu'on ne sait même pas comment c'est absorbé par nos organismes. Donc, comme le dit aussi très bien Samy, et comme les chefs nous le diront, on trouve tout dans l'alimentation. D'accord, après, je suis d'accord, il y a certains patients qui ne peuvent pas
prendre de tout, hein, et que le non-traitement ont abîmé leur tube digestif et que prendre des agrumes, c'est parfois impossible dans leur alimentation, et dans ces cas-là, on peut avoir un recours à ça. Mais attention, dans tout ce qui est micro, il y a plein de micro-choses, d'accord. On parle beaucoup de probiotiques en ce moment, et je vais donner, vous n'allez pas parler. C'est une mode, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre. Ça veut dire qu'il faut s'interroger et que tout ce qu'on dit n'est pas vrai. Je reviens sur les fake news. Attention, quand il y a beaucoup de choses dans une cellule, sachez que notre organisme n'en absorbe que très peu, voire même pas du tout. Je rebondis sur les probiotiques, puisque je suis une ex-gastro-entérologue. J'ai assisté à l'émergence des probiotiques dans les recommandations, parce que c'était très marginal quand j'ai commencé mes études. Et quand j'ai quitté la gastro-entérologie, j'ai vu les recommandations passer sur le traitement de la colopathie fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire des patients qui ont des troubles digestifs qui ne sont pas liés à l'atteinte d'un organe, à une atteinte organique. C'est lié à un défaut de fonctionnement. Alors, c'est une entité qui est tout à fait reconnue maintenant par le corps médical. Alors qu'avant, les gastro-entérologues disaient aux gens que c'était dans leur tête. Maintenant, c'est une maladie, une vraie entité qui s'appelle la colopathie fonctionnelle et qui se traite par des probiotiques. Hormis cette indication, il n'y a pas d'autres maladies où les probiotiques sont recommandés comme thérapeutiques. Hein. Le deuxième danger pour les patients que nous, on prend en charge, c'est qu'ils ont quasiment tous une voie centrale. Il y a des cas décrits dans la littérature d'infection de voie centrale à levure, puisque certains probiotiques peuvent passer dans le sang et infecter par le sang, par voie hématogène, les voies centrales. Et là, c'est une catastrophe parce qu'on met des mois à s'en débarrasser. On ne peut plus reposer de voie centrale avant très longtemps, et ça pose vraiment des problèmes pour la suite du traitement. Donc, et on sait parfaitement que ça ne diminue en rien les effets secondaires de nos chimiothérapies, puisqu'elles ne sont pas liées, les effets secondaires des chimiothérapies ne sont pas liés à des perturbations de la flore intestinale. En revanche, dans les immunothérapies, attention, puisque là, on sait que les modifications de la flore intestinale, notamment par des antibiotiques, mais pas seulement, peuvent induire une moindre efficacité ou une meilleure efficacité avec certaines souches dans la flore intestinale des immunothérapies. Mais c'est du domaine de l'expérimental. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, qu'il faut faire ingérer je ne sais pas quelle souche au patient pour que ça marche mieux, l'immunothérapie. Donc, dans le doute, surtout pas de probiotiques quand on est aux immunothérapies. Je voulais juste, vous voyez, on a parlé de jus d'orange, vous parlez d'orange, etc. Il y a quelque chose qui me vient et les oranges, il y a une saison pour les oranges. On voit du jus d'orange toute l'année du jus d'orange, c'est une connerie. Exactement. C'est une connerie. L'été, on ne voit pas de jus d'orange. Alors nous, on est habitués, vous nous voyez échanger de temps en temps, mais c'est bon, on n'est pas en baisse basse, mais vous voyez, dans nos hôtels, par exemple, les clients veulent du jus d'orange toute l'année. Ils ne comprennent pas pourquoi en été, il n'y a pas de jus d'orange. Alors, je vais vous dire, maintenant, le projet que je fais à Beaulieu, il n'y aura pas d'orange l'été. Je deviens indépendant, et parce que je deviens indépendant, je vais faire ce que je veux. Et faire ce que je veux, ça passera par le fait de dire, je ne veux pas faire de jus d'orange, parce qu'en plus de ça, je parle sous votre contrôle. Et sauf erreur de ma part, il me semble que les oranges l'été, c'est cancéreux. Il y a des cellules, il y a des choses, j'ai appris ça. Dernièrement, à Paris, lors d'une table ronde, et il y avait un professeur dont j'ai oublié le nom, et qui nous disait justement que les oranges étaient traitées. Et comme elles sont traitées, pour justement faire le voyage, parce que les oranges qu'on a l'été, vous imaginez bien qu'elles ne viennent pas de nos vergers, elles sont traitées, et comme elles sont traitées, elles ont malheureusement des choses qui vont, ça n'a pas une bonne... Donc, On a comme ça la nécessité aujourd'hui d'être de plus en plus être des gardiens en finalité des saisons et on a la richesse puisqu'on parlait tout à l'heure de la cuisine de Méditerranée mais ça et de la gastronomie méditerranéenne. Voilà, bon jus d'abricot, bon jus de pêche, bon jus de raisin quand c'est le raisin, bon jus de pomme là maintenant, etc. Vaut à mon sens beaucoup plus, mais pour apporter un mais, aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout
dans le temps et toute l'année, et donc il ne faut pas rajouter tout de suite. Donc on a un double truc. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne réglera pas le problème dans cette salle, malgré toute la bonne volonté du monde qu'on veut. Il n'empêche, voilà, c'est un problème sociétal, c'est un problème mondial. Mais je crois que chacun d'entre nous, si on arrive à être acteur de notre de santé et d'arriver à faire passer comme ça au quotidien des messages à nos clients. Moi, si j'ai un certain nombre de clients cet été et que j'arrive enfin à leur faire comprendre que c'est de la connerie, eh ben, on aura gagné parce qu'il faut, au fur et à mesure, comme ça, on avance. Et ça, c'est hyper important, à mon sens. D'où ma venue ici avec vous aujourd'hui. Je répète que vous êtes des acteurs de santé publique dont la parole est crédible. Ce que Christophe vient de dire, je pense que nous tous, on le savait, mais il nous l'a dit, et bien ça va, on va s'en souvenir, ça. Je peux vous assurer ce message. Je suis indépendant, je suis autonome, je suis dans, en été. Pardon, excusez-moi, je voulais parler. Oui, merci. Vous avez évoqué dans les choses à ne pas se priver, le lait. J'avais compris qu'il y avait une corrélation entre une consommation importante de lait ou de laitage avec le cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'il en est ? On dit que c'est une chose importante, une consommation importante. Donc ce qui est important, c'est la quantité. C'est la quantité, c'est pas le produit lui-même. Donc arrêtons de faire le procès à l'alimentation, c'est surtout effectivement la quantité qu'on consomme, c'est l'important. Donc je vais aussi profiter de parler de la viande rouge. La viande rouge n'est pas contre-indiquée, c'est la consommation qui est supérieure à un certain grammage. Au-delà d'une certaine quantité de façon régulière, ça devient... on peut se poser la question. On a mis du temps, malheureusement, pour se rendre compte que le lait n'est pas incriminé, ou les produits laitiers ne sont pas incriminés. C'est la quantité qui est importante et le fait de les consommer de façon régulière avec une quantité importante. De part. Bonsoir. Je voulais rebondir justement au discours de M. Bacchi. Je travaille dans une entreprise qui est une cuisine de collectivité, où donc je crée des menus pour les crèches, les écoles, les EHPAD, les retraites. Bien évidemment, on essaye de suivre la saisonnalité, les produits du terroir, la proximité. Alors, ça peut faire débat aussi, parce que quand vous voyez le peu d'argent qu'on peut donner et le budget qu'on peut attribuer à un repas par jour pour un enfant, dans une école, dans une crèche, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Bon, on voit M. Macron, là, qui est au salon de l'agriculture, qui parle de la loi Egalim, qui parle de tout ça. Je vous avoue que ça fait peur quand on est devant un papier, on doit faire des menus pour les écoles, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre? C'est très difficile. Je pense que vous êtes là aussi pour vraiment porter très haut tout ça, parce que moi, je suis diététicienne, j'arrive en fin de carrière, et je vous avoue que ça m'interpelle énormément. Je ne peux que vous rejoindre, et on l'a dit tout à l'heure, on est dans une école hôtelière ici, et c'est pas pour stigmatiser ici ou ailleurs, peu importe, mais dans les écoles hôtelières aujourd'hui, il y a des budgets qui sont et pour apprendre aux jeunes à faire la cuisine, des budgets qui sont absolument pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour former nos jeunes. Et voilà, maintenant, à travers vos paroles, et vous avez tout à fait raison, et je ne peux être 250% d'accord avec vous, il me semble que petit à petit, il me semble qu'on y arrivera. Voilà. Et quand j'entends une personne comme vous dire « je fais le maximum pour déjà faire mieux », c'est déjà incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez conscience, il y en a qui n'ont pas conscience, vous avez conscience aujourd'hui de faire bien et de faire mieux. Donc ça veut dire que tous ces petits pas, au fur et à mesure, feront que... Nous, aujourd'hui, on est devant vous, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer quotidiennement dans notre métier sans regarder. Je vous parlais, pourquoi j'ai parlé de macro tout à l'heure ou de sardine? Même si les macros, la sardine, ça roule de plus en plus cher. Mais c'était volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu parler de poissons beaucoup plus cher. Vous avez vu, j'ai pas parlé d'élevage. Parce que ça, moi, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec ça. Même si je comprends qu'il faut nourrir la planète, même si je comprends aujourd'hui que malheureusement, et je vous l'ai dit, la mer se vide de ses stocks, j'ai un vrai problème avec l'élevage. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on donne à bouffer aux poissons. Et même si on sait,
Voilà. Donc, vous voyez, et pourtant, je peux vous assurer que je suis très engagé auprès des associations de défense de la mer et des poissons, qui, eux, défendent le fait de consommer des produits d'élevage. Voilà. C'est un problème. Mais, pour en revenir à votre propos, si tout le monde fait des petits pas et des petits pas et des petits pas et des petits pas, on y arrivera. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Tout le monde prend conscience de la nécessité aujourd'hui de bien manger. Tout le monde prend conscience de ça. Maintenant, on ne va pas inverser un comme ça du jour au lendemain, mais au fur et à mesure. Je regardais tout à l'heure la statistique de la mortalité sur certains cancers. A priori, ça se soigne de mieux en mieux. J'imagine que pour d'autres problématiques comme celle-là, on parle de la nourriture, puisque ça ira de mieux en mieux si tout le monde prend conscience qu'aujourd'hui, voilà, et si déjà le nombre de personnes qui êtes là, arrêtez d'acheter des courgettes et des tomates, et puis vous dites aux gens d'arrêter d'acheter des courgettes et des tomates, etc., 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 ben, on arrêtera peut-être de faire des courgettes et des tomates en termes de décembre. Puis d'arrêter de boire du jus d'orange. Je pense que c'est sûr. J'ai une pratique, en fait, je travaille en pharmacie. J'ai une cliente qui est sous chimiothérapie, qui est fatiguée, bien entendu, qui est sous biodolite la nuit, qui a des cuillères de sang aussi dans la journée. Et par contre, est-ce qu'elle peut prendre ou pas de la vitamine C en plus, parce qu'elle ne mange pas de jus d'orange, elle n'arrive pas à manger. Est-ce qu'elle a besoin de prendre de la vitamine C? Fatiguée, elle demande quoi prendre. Moi, en tant que pharmacienne, je donne vraiment tout. Moi, si elle n'a pas de séance sur vitamine C, je ne lui donnerai pas de vitamine C. Comment ça va? Ça passe par effectivement une prise de sang, une évaluation nutritionnelle. Je pense que toutes les personnes qui sont prises en charge dans un centre de lutte contre le cancer ont forcément un bilan nutritionnel, une prise de sang, un bilan biologique. Donc, avant la mise en place de tout, d'une assistance nutritionnelle ou avant la mise en place de la prescription de compléments nutritionnels, nous avons cette obligation de confirmer l'absence des carences. Puis un bilan, un premier bilan est fait en dose de calcium, en dose de potassium, en dose de phosphore, etc., vitamine C, vitamine D. Et à partir de là, on va amener pouvoir gérer toutes ces carences. Et du moment que c'est géré, il n'y a aucune nécessité de prendre ce produit-là. C'est hyper important. Et le meilleur remède contre la fatigue, c'est l'activité physique. Il ne faut pas l'oublier. L'activité est toute simple. Bouger ses fesses, c'est une façon de lutter contre la fatigue. Et on a créé la maison Sainte-Catherine justement pour ça. C'est une des objectifs, c'est de faire comprendre que l'activité physique est souvent prise comme, dans certains esprits, ça signifie du sport. C'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Et tout ce qu'on fait dans notre vie, bouger, se lever, se promener, etc., tout ça, ça compte en tant qu'activité physique. Et c'est un des meilleurs moyens, tu l'as rappelé, de lutter contre ce symptôme qui touche 90% des gens qui traversent le cancer, la fatigue. Voilà. Il n'y a pas de médicament anti-fatigue, il n'y a pas de... C'est bouger, c'est fait. Oui, mais c'est clair. Plusieurs constats. Les grosses chaînes alimentaires. C'est une baguette qui a été vue meilleure baguette depuis plusieurs années. Très riche en sel, avec des stabilisants. Quand j'ai regardé les sacs de farine, il y a des stabilisants à l'intérieur. C'est-à-dire que la baguette, elle est stabilisée dans la journée pour être cuite en fin de journée. Je me rappelle quand j'étais petit, on allait à la boulangerie, en soir le matin, il n'y avait pas. Et c'était normal. Dorénavant, on a du pain à 6h30. On va dans les containers à l'arrière, c'est gavé de pain. Ça, c'est un constat. C'est un rouleau compresseur. Ils ont de la viande, des légumes, des poissons sous vide qui viennent de d'autres pays, du pays du monde entier. Il y a des camions frigorifiques qui viennent à 3h du matin, 5h du matin, qui sont gavés de marchandises. C'est un rouleau compresseur derrière, on les pousse à consommer, on les pousse à acheter ces marchandises. Et quand dans les rayons ça dégorge, ça va dans les containers arrière. Et je sais très bien ce dont je parle. Ensuite, pendant le Covid, on a eu des circuits courts. Donc c'était parfait, les gens se sont tous remis à aller chez les petits producteurs, c'était génial. Le Covid s'est terminé, on est retourné au supermarché, les petits producteurs n'ont plus pu continuer à vendre.
Le problème aussi, c'est que leurs produits, leur prix était quasiment similaire à ceux des supermarchés. Comment un produit, une tomate, un paquet de radis, une boîte de radis, en pleine saison, coûte aussi cher en supermarché que chez le producteur? Il y a un problème que... Et le matin, on peut aller à 5h, 6h du matin. Je vous assure que c'est vrai. Tous les matins, vous avez des palettes complètes de fruits et légumes qui sont jetés. Pour les toucher, ils sont frigorifiés. Ils sont jetés tous les matins. Ça devient un vrai trafic. Il y a vraiment des gens qui sont là pour récupérer les déchets qui en font du business. On est dans une société où, en fait, on est poussé par l'avant. Même si on veut consommer sain, manger sain, comme vous le préconisez, au contraire, on arrête, on adhère, évidemment. Hein. Mais derrière, on a des énormes structures qui préconisent le jambon rose, gavé de nitrite, qui préconisent tout ça. Et le jambon normal, normalement, il est marron, il n'est pas rose. Moi, chez mes potes en Corse, quand ils font leur charcuterie, ça n'a rien à voir. Le gras, je m'en gave. Le gras corse est extraordinaire. Alors, comment on fait par rapport à... Comment on fait le gras, c'est la vie. Comment on fait quand on n'a pas beaucoup d'argent? Comment on fait pour arriver à consommer quand tous les circuits sont organisés pour passer la merde? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, modestement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un cycle où les choses vont peut-être un jour revenir légèrement en arrière. Ça ne sera que petit à petit, vous avez raison. Mais vous savez, si aujourd'hui dans les supermarchés, on vous propose des tarifs d'une botte de radis à 1 euro, alors qu'un producteur vous le propose à 1 euro, moi je préfère l'acheter au producteur que dans les supermarchés, parce que les supermarchés aujourd'hui, ils ont acheté une palette, ce qui leur permet, mais quand ils ont acheté la palette, ils l'ont payé 20 centimes, la botte de radis, ils la vendent à 1 euro, quand le producteur il la sort à 1 euro, c'est 20 centimes dans sa poche, 80 centimes dans sa poche, pardon, je préfère donner à un producteur que donner au supermarché. Mais après, c'est, si vous voulez, aujourd'hui, les choses reviendront peut-être de plus, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très juste concernant le Covid. Où les gens, pendant le Covid, se sont aperçus qu'on avait des agriculteurs, un truc de dingue. Et aujourd'hui, on est revenu. Vous voyez bien que c'est un monde de la consommation qui fait que, de toute façon, on veut tout rapidement. Et d'aller chez un chercher 6 œufs et d'aller chez un autre chercher une boîte de carottes, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a personne dans la salle ici qui va dire non, c'est pas compliqué pour moi. Tout le monde travaille, tout le monde. Donc. Les choses changeront. Si déjà on arrive petit à petit, chacun d'entre nous, à faire des gestes qui vont dans le bon sens, ça marchera. Mais de ce que vous dites, vous avez raison. Le pain aujourd'hui, on a du pain toute la journée. Et les farines, ça a été avec l'additif, etc., etc. Tout le monde veut du pain chaud toute la journée. Tout le monde veut du pain tendre toute la journée. On n'est pas capable de racheter des grosses miches de pain qui durent la semaine, alors que normalement, un pain, quand il est bien fait, vous pouvez le manger sur la semaine sans aucun problème. On n'est pas capable, le dernier jour, de le griller pour se dire... C'est culturel et c'est une rééducation totale de la façon d'être et de la façon dont il faut être. Et là, je le répète, hein, je ne radote pas, c'est pas ce soir qu'on va régler le problème. Mais c'est peut-être ce soir où chacun d'entre nous, convaincu de ça, va rentrer chez lui, va peut-être en parler à son frère, à sa sœur, à son cousin, etc. etc. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Et ça doit marcher. Effectivement, c'est un problème de transition nutritionnelle. Donc, je vous ai dit qu'il me faut 3 jours ou 4 jours pour faire le tour de la question. Donc, le changement, c'est à nous de l'apporter. Les produits frais existent, les marchés existent. Si vous allez acheter votre produit dans les marchés, vous allez bouger. Donc, il y a de l'activité physique. Donc, vous êtes gagnant. Donc, je pense que la prise de conscience à partir de maintenant, consommez ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune nécessité à stocker les aliments, et surtout sur du long terme. Et bien entendu, consommer les légumes et les produits de saison, c'est hyper. Ouais. Et puis, quand bien même, pourquoi on voudrait changer le mode de vie de tout le monde? Si on le fait tous, chacun, chez nous, c'est déjà pas mal, non? Je crois. Hein? Ça, c'est vrai. Ouais. Soyons pas trop prétentieux, mais plus on le fait nous, déjà. Ok? Je vais clôturer là-dessus, hein, je crois, Daniel, on va clôturer la... Il y a encore des questions dans la salle, je l'ai vu. On est à votre disposition. Je pense que Christophe, Xavier,
Clémence et Samy, vous avez nos mails, nos téléphones, nos... si vous avez des questions, vous nous les envoyez, vous nous téléphonez et on essaiera d'y répondre parce que je pense qu'il y a un engagement devant vous. Là, grâce à cette réunion, je voulais te féliciter, Xavier, d'avoir eu, en tant que président de l'école hôtelière, d'avoir milieu de cette réunion et surtout d'avoir invité Christophe Baquet parce que je vais terminer là-dessus. Moi, je vous verrais bien ministre de la Santé. Parce que nous, on soigne des gens malades, mais pour parler de la santé, je crois qu'il n'y a pas mieux que des chefs. Bonne soirée à tous. Je suis un peu plus de temps.